Merci de vous être plié à ce petit exercice de logistique qui était de passer du premier au sous-sol pour pouvoir accueillir un petit peu plus de monde. Nous avons aujourd'hui donc le plaisir de vous présenter une table ronde avec plusieurs intervenants émérites. Cette table ronde sera animée par Thierry Amar, dont je pense vous lisez assidûment et quotidiennement l'e-newsletter avec 100% médias. Et puis par Elisabeth Martine-Conefroy, qui est co-déléguée pour la France pour Ezomar et aussi présidente de l'Institut Adéquation MR. Je vous souhaite à tous une très très bonne conférence et exceptionnellement, mais Thierry va vous le dire, vous avez le droit de laisser vos portables ouverts. Merci Stéphanie. Effectivement, donc je suis Thierry Amar, vous saurez tout sur Offre Média dans le guide page 74, donc que ça c'est fait. Effectivement, vous pouvez laisser vos portables ouverts sans la sonnerie. Il y a un hashtag Twitter si vous voulez poser des questions, donc InnoVétude. J'essaierai de les relayer si j'arrive à les capter, si vous arrivez à poster des messages, n'hésitez pas. Donc on aura une organisation donc avec Elisabeth, que je présenterai tout à l'heure, en trois parties. Donc trois couples, agence, on va dire agence annonceur ou institut annonceur, trois couples dont un ménage à trois, qui sera à la fin. On n'a pas réussi à se décider, donc ils sont venus à trois. Pour commencer, du côté du pupitre, on a Mark Johnson de Brand Juicer, accompagné de Shirin Paolucci de Barilla. Ensuite, l'autre partie, ça sera Catherine Clément de Plan Créatif, accompagnée de Delphine Degurs de La Poste. Et ensuite, le trio masculin, Michael Ben-David de Strategic Research, avec Marc Beauvois-Colladon de Strategic Research également, et l'annonceur Charles Roulet de L'Oréal. Pour m'aider, quand je dis pour m'aider, c'est Polly, c'est elle qui a tout fait, Elisabeth Martine-Conefroy de Adéquation, qui est également co-déléguée des Ezomar France, et aussi du collectif Recréation qui a participé au montage du printemps des études. Moi, j'avais un tout petite question pour te passer la parole, Elisabeth. On parle d'innovation, mais toi-même, tu innoves puisque tu viens de l'Institut CSA et tu fais des choses nouvelles. Est-ce que tu peux en dire un tout petit mot avant de présenter la conférence? Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous assommer de choses. Donc, effectivement, j'ai créé il y a un an l'Institut Adéquation MR pour Market Research, que je revendique. Je dirais que tout simplement, j'ai conçu ce à quoi j'aspirais depuis très longtemps, c'est-à-dire un institut qui conçoit véritablement des études d'aide à la décision pour les entreprises et surtout qui mettent en résonance les entreprises avec leur marché. Voilà, j'en dirai pas plus avec Quanti intégré. Alors, peut-être pour démarrer, vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Il va y avoir quatre temps de parole de 20 minutes. Chacun se débrouille, qu'il soit à deux ou à trois. Il y aura effectivement 20 minutes pour Brand Juicer et Barilla, 20 minutes pour La Poste et Plan Créatif, 20 minutes pour Strategic Research et L'Oréal, et 20 minutes pour vous. Donc, effectivement, n'hésitez pas à tweeter si vous pouvez, savez ou avez envie, tout simplement. L'idée étant qu'au fur et à mesure des exposés, probablement, il y a des questions qui vont vous échapper et que peut-être vous aurez envie de les poser spontanément. Posez-les et on reviendra dessus pendant vos 20 minutes. Donc, j'ai peut-être une petite introduction encore, dire que d'abord je suis ravie d'animer cette table ronde, conférence, on va essayer de la faire la plus dynamique et je sais que là on a effectivement des intervenants tout à fait exceptionnels pour ça. Je dirais tout d'abord, c'est un domaine d'activité qui me plaît, qui m'occupe aussi personnellement et je suis persuadée que ce métier a beaucoup de rôles à jouer pour aider les entreprises en matière d'innovation. Deuxième chose, je pense que j'ai fait partie des quelques suiveurs assez vite du collectif Recréation, qui est une merveilleuse initiative aussi, et qui vit au cœur justement avec l'innovation. Et j'ai envie de dire qu'il est le merveilleux exemple de ce que l'innovation peut signifier de vitalité. Et je trouve qu'il faut chapeau bas à la profession et à ceux qui l'ont initiée, parce que c'était une belle chose, et je crois qu'aujourd'hui la rencontre va en être la preuve. Et puis aussi parce qu'en tant que délégué Ezomar, la recherche et l'innovation font partie des thèmes un peu fétiches des Ezomar. On a beaucoup développé en particulier de ponts avec les milieux de la recherche, de l'université, les jeunes chercheurs, les jeunes pros, etc.
Et d'ailleurs, Brian Jusser a été primé déjà il y a un certain temps par ESOMAR dans un congrès annuel. Et donc, a eu le prix de la meilleure méthodologie pour ce qu'il va nous expliquer. Donc, vous voyez qu'on est complètement en phase avec le printemps des études. Alors, pour vous passer la parole, peut-être, j'ai envie de dire que quand on parle d'innovation, en tout cas quand les études doivent aider pour l'innovation en entreprise, il y a déjà un peu une question qui taraude assez vite, enfin, en tout cas si on a bien l'esprit tourné ainsi, qui est, mais qui on doit interroger ? Et de ce point de vue-là, c'était une des réponses qui était apportée. Et là, je vais justement passer la parole à Brian Jusser et à Barilla pour justement nous faire penser différemment. À vous. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre en ce vendredi saint. Je crois que c'est un jour où la France travaille, mais pas les autres pays européens. J'ai même entendu que l'Inde ne travaillait pas aujourd'hui. Donc merci pour ça. Mark Johnson. Et la bourse est fermée, pardon. Mark Johnson, société Brain Juicer. Et je suis the Chief Alpine Juicer, ce qui veut dire que je m'occupe de 3 pays, de la Suisse, où j'ai fondé la société il y a 4 ans, de l'Italie, où on a ouvert des bureaux récemment, et de la France, où nous allons ouvrir des bureaux cette année. Brain Juicer, c'est une société qui existe depuis 10 ans maintenant. Ce n'est pas une société qui fait de l'alimentaire, on ne presse pas des oranges, mais par contre, on essaye de presser des consommateurs pour trouver des choses intéressantes. Et pour ce faire, on a développé un certain nombre de méthodes, j'espère qu'elles sont innovantes, dans le but d'arriver à des éclairages qui sont peut-être un petit peu différents. Voilà. Alors aujourd'hui, il va s'agir de marché prédictif. Petite enquête en spontané, qui a entendu parler des marchés prédictifs ? Quelques personnes. Alors, allons-y. Je vais vous donner un petit peu d'historique, en fait. Donc, les marchés prédictifs, c'est une méthode qu'on a développée et qui nous aide à screener des idées, soit des idées, soit des concepts. Donc, il y a une idée de quantité. Vous avez pas mal d'idées, un minimum de 6. Et vous allez essayer de déterminer quelle est la meilleure ou quelles sont les meilleures idées. Okay ? Le point de départ, c'est un livre qui a été écrit en 2004 qui s'appelle « The Wisdom of Crowd ». Ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle James Suriaki, qui est un économiste et aussi un journaliste au New York Times. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, les foules sont en réalité intelligentes, clever, et que les experts sont souvent dans l'erreur, et que donc les préjugés qu'on peut avoir hein, par rapport aux foules et par rapport aux experts ne sont peut-être pas toujours valides. Voilà, il nous pousse à reconsidérer ça. Alors j'ai juste pris 2 exemples pour illustrer ces propos. Le premier, c'est celui de la vache. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est le travail fondateur, en fait, qui est le travail de quelqu'un qui s'appelle Francis Galton. C'est quelqu'un qui vit juste après la Révolution française, à une époque où les révolutions commencent à s'étendre à travers l'Europe. Et Francis Galton est un cousin de Darwin. C'est donc quelqu'un qui est un élitiste et qui regarde cette révolution démocratique avec un œil quelque peu critique. Mais c'est aussi un scientifique, et il va donc tester son hypothèse. Et pour ce faire, il va faire la chose suivante, il va se rendre dans les foires à bestiaux en Angleterre, et dans ces foires à bestiaux, il y a un jeu qui est pratiqué chaque fois, où on met en fait une vache en exposition, et le but, c'est de deviner le poids de la vache. Okay ? Maintenant, à ces foires à bestiaux se rendent évidemment les fermiers, les gens qui sont en relation avec le métier, mais vu qu'à l'époque, il n'y avait pas le même niveau de distraction qu'on a aujourd'hui, le village entier, ou du moins une partie du village, s'y rendait. Donc on avait aussi du tout venant, si vous voulez. Et ce qu'il va constater, c'est la chose suivante, c'est que si vous prenez simplement les prédictions ou les estimations individuelles de chaque personne qui a pris part au jeu, en moyenne, c'est à peu près 800 personnes, vous en faites la somme et la moyenne. La moyenne correspond très fidèlement au poids de la vache, ok ? Première chose. Et deuxièmement, cette estimation est toujours beaucoup plus correcte que celle des experts. Alors, en d'autres termes, la foule, la démocratie avait raison, et les experts avaient moins raison, ou peut-être même tort. Ok ? Ça remonte à un certain temps, tout le monde a oublié, mais on a eu part de ces expériences par la revue Nature, et c'est comme ça qu'on a pu établir la genèse, en fait, du Wisdom of Crowds. Plus récemment, c'est l'autre visuel qu'on a ici, on a quelque chose en Amérique qui s'appelle « The Iowa Electronic Marketplace », IEM. Et en fait, « The Iowa Electronic Marketplace », c'est un moyen pour les Américains moyens de faire de l'argent
en pariant sur le résultat des élections. Okay. Alors évidemment, il y a les grandes élections nationales, il faudrait que je change mon visuel bientôt. Il y a aussi les élections au niveau régional et au niveau local. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que ce marché fonctionne depuis plus de 20 ans sur plus de 600 élections. Okay. Et dans 75% des cas, excusez-moi, 75% des cas, ce qu'on constate, c'est que la prédiction de ce petit mécanisme est plus précis que la meilleure prédiction qui est offerte de manière standard par des Gallup, des Sofres, etc. Okay. Et si on pense aux élections, et on pense à ces méthodes standards, c'est un petit peu la Rolls-Royce en termes d'études, parce que c'est des très grands échantillons, des procédures, et il y a de l'historique. Okay. Donc ça, c'est une statistique qui est assez impressionnante. Donc de cette genèse, on a tiré deux principes. L'histoire de Galton nous a évidemment conduit à s'intéresser aux foules. Okay. Et ce qui s'est passé avec les 1IM, ce qui est derrière, en fait, c'est un changement de paradigme, si on veut bien. On appelle ça le changement de « me research » à « we research ». Parce que la particularité de ce 1IM, c'est qu'il n'est pas question là de demander aux gens pour qui ils voteraient, on leur demande pour qui la nation ou le comté ou la ville va voter. On doit se projeter sur ce que feraient d'autres. Et surprise, surprise, on est souvent bien meilleur à anticiper ce que vont faire d'autres gens plutôt qu'à décrire ce que l'on va faire. Okay, le petit visuel, je crois, ici, c'est assez parlant avec la manière dont on peut se voir. Je travaille beaucoup dans l'alimentaire. Si vous demandez aux gens la manière dont ils se nourrissent et ce qu'ils boivent, généralement, les gens se nourrissent parfaitement. Il faut attention à la quantité d'alcool qu'ils boivent. Quand vous posez la même question aux mères, en particulier pour les enfants, c'est encore mieux. Je veux dire, c'est quasiment de l'ordre de la perfection. Or, que l'on sait, il n'y a qu'à regarder les catégories qui progressent, que la réalité est quand même bien différente. Okay. Donc il suffit des fois de juste changer la question pour avoir une réponse qui est plus réaliste. Parce que dans le cas de l'alimentaire, si vous demandez à cette personne de décrire le comportement alimentaire de ses amis ou ses voisins, vous aurez une réponse qui sera peut-être beaucoup plus proche de la réalité. De même, en France, là vous êtes en période électorale, si j'ai bien compris, dans les élections précédentes, il y a souvent eu une surprise face à la montée du Front National. Et j'aurais tendance à penser que ça vient du mode d'enquête. Hein. Parce que même si c'est anonyme, peut-être qu'une certaine partie des gens ne voudront pas dire qu'ils votent pour le Front National. Tandis que si vous posez la question différente, de savoir pour qui voterait la nation ou le voisin ou la voisine, vous aurez peut-être une réponse qui sera plus proche de la réalité. Okay. Donc ça, c'est les deux points d'inspiration qui nous ont permis de développer notre méthode, que voici. C'est une méthode qu'on a donc lancée en 2005, qui nous a valu un prix ESOMAR, and the rest is history, comme on dirait. C'est-à-dire qu'elle a connu un succès assez fulgurant. On a maintenant testé à peu près 10 000 idées avec cette méthode-là, donc c'est quelque chose qui est assez significatif pour nous. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Très simplement, on va envoyer une invitation online à peu près 1 000 personnes, et les 500 premières personnes qui se présentent au guichet virtuel sont incluses dans l'étude. Ok? Après, on leur demande de faire un choix binaire, en fait, hein, en regardant les idées, et de nous dire lesquelles de ces idées ils pensent qu'elles pourraient avoir du succès dans le marché. Okay, donc on ne leur demande pas est-ce que vous achèteriez l'idée, on leur demande est-ce que vous pensez que cette idée va réussir ou pas. Si les gens nous disent oui, elle va réussir, pile verte, façon de parler. Si au contraire, c'est une idée qui n'est pas assez bonne, elle ira dans la pile jaune. Donc un simple choix assez binaire. Deuxième étape, on leur demande de retourner dans chacune de ces piles et de prendre la meilleure et la moins bonne de ces idées. Et sur ces deux idées-là, on va faire beaucoup de diagnostics hein, pour comprendre les leviers de la préférence et les leviers de la réjection. Voici un des outputs, il y en a plusieurs, mais celui-ci me paraît le plus pertinent pour aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est le résultat en fait, de 8 concepts qui ont été testés. En vert, c'est la part de personnes qui ont dit pour un concept, le premier par exemple, 31%, cette idée va vraiment réussir dans le marché. A contrario, 9% des gens pensaient que non, ça c'est la pire des idées. Évidemment, si vous faites la différence, vous avez une préférence nette, en l'occurrence 22% ici. Donc à gauche, clairement, vous avez des idées où il y a plus de vert que de rouge, donc c'est des idées qui ont du potentiel. À droite, vous avez des idées où c'est l'inverse. Forcément, c'est des idées qui ont un moins bon départ dans la vie. Okay. Et tout à droite, vous avez des idées où il y a autant de vert que de rouge.
Et c'est des ondes, des idées polarisantes. Elles peuvent être polarisantes pour deux raisons. Soit c'est des idées qui sont niches, okay, ou c'est des idées qui sont rupturistes. Rupturistes dans la mesure où on a changé une référence par rapport à la catégorie. Ce qui va être intéressant pour certaines personnes, et ce qui va être horrible pour d'autres. Hein, et ça va s'exprimer par le rouge. Donc les avantages de la méthode sont les suivants. Un, ils nous permettent d'identifier ces idées rupturistes, qui sont bien différentes des idées qui sont à leur gauche, première chose. Et deuxième chose, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que les marchés prédictifs sont beaucoup plus discriminants. Okay ? Si vous le voyez, il y a une petite ligne grise, on a demandé ici avec une intention d'achat classique, hein, l'intention d'achat pour ces idées. Et comme vous le voyez, la ligne est quasiment stable. Si vous aviez que ça pour prendre une décision, ça rend les choses difficiles. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les idées. Okay ? Parce qu'avec un marché prédictif, c'est beaucoup plus dur. Il y a des gagnants et il y a vraiment des perdants. Ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions plus aisément parce qu'on peut, en toute confiance, tourner son dos à ces idées plus moyennes. Et ça, philosophiquement, c'est capital. Parce que ce que je vois avec certains de mes clients, c'est des idées qui sont là depuis toujours, qui sont des idées moyennes, qui consomment de l'énergie et des ressources. Or que, même si elles sont optimisées, on n'est qu'en train d'optimiser une idée qui finalement est assez moyenne. Avec un marché prédictif, on peut éviter cela parce qu'on est obligé de se concentrer sur ces idées pour lesquelles il y a beaucoup de verre. Okay ? Donc ça, c'est un avantage majeur du marché prédictif, c'est de pouvoir vraiment discriminer et finalement de vous forcer à vous concentrer sur les choses qui ont du potentiel. Donc juste petit résumé, dans un marché prédictif, on peut tester autant d'idées qu'on le veut. Okay ? Le minimum, c'est 6, il n'y a pas de maximum. On a fait des tests avec plus de 200 idées, qui est un autre avantage. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous censurer en amont en vous disant que chaque idée coûte beaucoup plus cher. Okay ? Donc on peut tester des idées qui sont safe, connues, mais on peut aussi tester des idées qui sont un peu plus folles. On peut prendre des idées de la compétition, les mettre dans le test, enfin tout ça est possible. On travaille donc avec une foule, c'est un minimum de 500 personnes. Si on a plus que 15 idées, on recrute simplement plus de personnes. Et donc, comme dit, on va poser la question suivante, qui est de savoir comment est-ce que ces idées vont performer dans le marché, plutôt que de demander est-ce que vous achèteriez l'idée ou pas. Okay ? Après, donc, en termes de bénéfices, ben, validité. On a testé 10 000 concepts, on a fait 500 expériences en parallèle, en comparant avec du monadique et du monadique séquentiel, etc. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder notre site. On a dû énormément écrire pour Esomar et d'autres organisations, pour vraiment prouver, parce que forcément, quand on a lancé ça, on nous a regardé avec des yeux écarquillés. Et je pense qu'en termes de validation, on a vraiment fait un travail énorme. Bon, plus de discrimination, il est rupturiste, on en a parlé. Et deux autres choses. La première, c'est celle-ci. Le fait de poser cette question impersonnelle, qui est de savoir est-ce que cette idée va performer ou pas, plutôt que de demander une intention d'achat, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est une mesure qui est beaucoup plus stable à l'international. Si vous demandez une intention d'achat au Mexique, par exemple, vous aurez quasiment garanti des scores qui sont très hauts. C'est dans leur culture d'être très optimiste, okay. Par opposition à certains pays européens qui sont peut-être un petit peu plus cyniques. Tandis que si on pose cette question à personnel, on a beaucoup moins ce biais. Et ça veut simplement dire qu'on n'a plus besoin, après avoir des boîtes noires, de rééquilibrer, etc., si on travaille à l'international. Et dernier, c'est une méthode qui est très rapide, parce que c'est facile de trouver du sample. Généralement, le terrain se boucle en l'espace de 24 à 36 heures. Et donc, le turnaround time moyen pour ce genre d'études, c'est 2 semaines à 3 semaines. Okay. Donc, c'est une méthode qui est très rapide. Voilà. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ? Vous êtes juste pile poil à la moitié du temps cumulé. Donc, d'accord. Vous êtes dans votre couple. Voilà. Donc, là, une minute, Chérine, donc là, vous débordez. D'accord. Je vais juste montrer, ça c'est la partie quantitative. Quand il s'agit de la partie qualitative, donc après on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une idée a bien performé ou pas, on utilise cet outil-là, qui est donc FaceTrace, et qui nous permet de comprendre de manière émotionnelle comment est-ce que les gens ont ressenti l'idée. Okay ? On le fait ici simplement pourquoi ? Parce que quand on demande aux gens après pourquoi est-ce que vous étiez par exemple heureux, ou pourquoi est-ce que vous aviez du mépris pour cette idée, on arrive à des verbatims qui sont plus riches, que si on demandait simplement qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Okay, donc je vais vous donner un exemple ici où vous voyez pour une idée la distribution des émotions. En vert foncé, c'est de la surprise, en vert clair, c'est de la joie,
En blanc, c'est de la neutralité, okay, ce que vous ne voulez pas voir, parce que si les gens ne ressentent rien, ils ne font rien. Et en haut, vous avez des émotions qui sont négatives. Et après, vous avez les raisons du pourquoi. Okay. Donc ça, c'est un des outils qu'on utilise pour arriver au diagnostic. Et je vous montre ça parce que je vais juste vous montrer quelque chose qui est connecté et que je trouve très intéressant. Vous avez sans doute tous entendu parler du cerveau droit et du cerveau gauche. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle System 1 and System 2 ? System 1 and System 2, c'est quelque chose qui a été introduit par un prix Nobel qui s'appelle Daniel Kahneman. Il a gagné le prix Nobel d'économie, mais en fait, c'est un psychologue. Et ce qu'il nous dit, c'est que dans notre cerveau, nous avons deux systèmes. Nous avons un système numéro 1, qui est le système ancestral, notre cerveau reptilien. D'accord ? Et ce cerveau reptilien, il est rapide, il est intuitif, il est métaphorique. On a un deuxième système qui se trouve ici dans le lobe frontal et qui est celui qu'on a développé, au cours de nos études, hein, en s'éduquant, etc. Et qui est donc le cerveau rationnel et qui est beaucoup plus lent. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites une analogie en termes d'informatique, voilà la puissance respective de ces systèmes. Donc le système numéro 1 qui est largement inconscient, c'est 11 millions de bits secondes. Hein? C'est une chambre pleine de serveurs par rapport au système 2 qui est 50 bits secondes, qui est comme une vieille console Atari si vous voulez bien. Donc la majeure partie de nos décisions se prennent dans le système 1, okay? Mais le paradoxe, c'est que dans les études, on a tendance à beaucoup mesurer ce qui se passe dans le système 2. Okay? Donc le challenge, je crois, pour nous tous, c'est d'arriver à mesurer ce qui se passe dans le premier système. Les émotions, on l'a vu, c'est une manière. Le deuxième grand thème, c'est tout ce qui est behavioral economics. Ça, je pense que ça va pouvoir nous aider beaucoup à comprendre ce qui se passe dans le premier système. Voilà. Je vais juste partager ça avec vous, c'est une petite digression, mais je crois que c'est aussi intéressant si on essaye de faire les choses différemment. Chérine, je pense que c'est à vous. Merci Marc. Donc, passer le... à la partie témoignage annonceur, pardon, avec Chérine Paolucci. Ça marche ? Oui, ce qui nous paraissait intéressant à tour de rôle, on en a déjà parlé ensemble, c'était de nous dire un petit peu trois choses. C'est tout d'abord, qu'est-ce qui vous a convaincu dans tout ça en particulier ? Parce qu'il y a une histoire de conviction au départ, au-delà de l'excellent talent de Marc. Et puis peut-être après, comment ça se met en place dans une entreprise et les enseignements que vous en tirez, ce que vous pourriez dire à d'autres par rapport à cette méthode, ce que ça apporte, ce que ça change. Alors, en ce qui concerne l'expérience que j'ai eue personnellement avec Brain Juicer, je pense que la chose qui nous a... sur laquelle on était le plus curieux, c'était justement ce wisdom of crowd. Hein. Donc c'est vrai, soit on y croit, soit on n'y croit pas. On a toujours l'habitude de poser des questions aux consommateurs de la catégorie. Mais bon, là effectivement, c'était peut-être une décision courageuse d'aller poser la question à des gens qui n'achètent pas du tout la catégorie qu'on va tester. Voilà, donc c'était la volonté d'essayer une méthodologie nouvelle. Et puis, ce qui nous a aussi convaincus, c'est le résultat qu'on pouvait obtenir sur, dans notre cas en particulier, on avait 16 concepts, je crois. Sur 16 concepts, on devait vraiment chercher à obtenir des résultats discriminants. Et avec les méthodologies classiques, on n'y arrivait pas toujours. Avec le marché prédictif, c'est vrai que ça nous a aidé de ce point de vue-là. Et voilà, donc il y a eu une première expérience qui n'a pas bien marché au sein de Barilla, une deuxième expérience qui était la mienne, qui a été appréciée par aussi bien l'équipe market research que marketing, puisque justement ils ont pu prendre des décisions rapidement sur la base de cette étude. Hein. Et voilà. Juste pour préciser, dans le premier cas, c'était pas une histoire de méthode, c'était une histoire de réception par quelqu'un
qui n'arrivait pas à accepter les postulats de Wisdom of Crowds. Et je dirais que la plus grande barrière à l'adoption de ce genre de méthode, c'est effectivement qu'il faut faire fi de ses a priori et d'essayer quelque chose de neuf. Et ce n'est pas toujours facile. Je peux vous donner un exemple. Avec les marchés prédictifs, on n'a pas encore trouvé la limite. Okay, donc on fait ça beaucoup dans la grande consommation. On a fait des études avec Roche, hein, donc groupe pharmaceutique basé à Bâle en Suisse, dans laquelle on a comparé les résultats avec une foule et avec des médecins. Okay. La corrélation entre les deux est 0,84. D'accord. Donc, en d'autres termes, qu'on travaille avec une foule ou avec des médecins pour prédire le succès de communication autour d'une nouvelle molécule, c'est pareil. La différence, cependant, c'est qu'on travaille avec une foule plutôt qu'avec des médecins, on économise 90% du coût. Parce que quand on travaille avec des médecins, ils demandent des honoraires qui sont quand même très très élevés. Okay. Et malgré ça, on a des fois de la peine à convaincre les gens d'essayer ce genre de nouvelle approche parce que on a toujours cet a priori que les experts savent mieux. Donc ça, c'est, je crois, intéressant d'un point de vue interne aux sociétés d'arriver à amener ce genre de changement. Et ça a trait justement plutôt au système 1 qu'on a vu avant plutôt qu'au système 2. Chérine, moi j'avais une question. D'abord, pour la salle, est-ce que vous précisez dans quelle division de Barilla vous travaillez? Parce que c'est assez grand comme société. Alors, moi je m'occupe des études au niveau international de la division Bécry. Barilla a donc deux divisions, une division pâte et sauce et une autre division Bécry, donc tout ce qui est panification, biscuits, voilà. Et donc nos marques les plus importantes sont Mulino Bianco, qui est surtout présente en Italie et quelques autres pays européens. Et Pavesi, qui est en Italie. En France, on est présent avec Aris, aussi avec Vasa, qui est par contre une marque des Nordiques, des pays scandinaves et de l'Allemagne. Et est-ce que c'est... Quels sont les obstacles? Est-ce que c'est facile ou compliqué d'imposer de telles méthodes dans une société de food, de grande consommation? Je ne peux pas dire si c'est plus facile ou plus compliqué. C'est... Non, c'est ni plus compliqué ni plus facile. Je vais vous poser une question difficile, mais quel a été votre talent, néanmoins, pour convaincre vos équipes? Parce que forcément, il y avait un peu de talent. Non, c'était le talent de Brain Juicer. C'est la modestie, alors. Non. Je dois dire, l'équipe était aussi ouverte à essayer de nouvelles méthodologies, parce que justement, on n'arrivait pas jusqu'à maintenant à trouver des solutions qui puissent nous donner des différences significatives entre les différents concepts, surtout quand on a 16, 17, 20 concepts à tester, souvent sur la même marque. Voilà, le problème était bien vécu par l'équipe, et donc quand il y a eu la solution, elle a été bien accueillie. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, je crois que vous avez évoqué le mot courage, mais je crois effectivement qu'il faut un peu de courage à un moment donné pour voir qu'on ne tourne plus bien, et puis voilà. Bon, sauveur. Après, le courage, je dois être aussi honnête, c'est si on utilise une méthodologie nouvelle qui suce le budget de toute l'année, bon, ça, c'est pas du courage, c'est de la folie. Mais là, effectivement, c'était un budget abordable qui pouvait justement nous permettre d'utiliser une méthode qu'on connaissait pas et de l'expérimenter. Donc elle pourrait s'appliquer à toutes les catégories, en fait. Absolument. D'accord. Merci à vous deux. Merci. On va, alors, je vous parlais de questions au départ. Quand on parle d'études pour l'innovation en entreprise, on se pose la question donc, du targeting, de comment interroger les gens. On l'a bien vu là. Il y a aussi une autre question, c'est qu'est-ce qu'on leur montre et comment justement on leur montre tout ça. Et je pense que c'est un des points en particulier sur lequel Plan Créatif a un parti pris particulier qui va peut-être nous exposer. Et puis ensuite, Delphine Degurs qui nous expliquera de la même façon, un peu aussi en amont, comment elle est arrivée à prêter un intérêt particulier à une approche un peu plus décentrée. Donc, la parole est à Catherine Clément, directrice générale de Plan Créatif. Je viens porter la parole aussi de Céline Marcelot, qui devait présenter aujourd'hui, qui malheureusement est malade et qui m'a confié le soin de vous raconter ce que fait Plan Créatif et très précisément. Je n'aurai peut-être pas le même talent oratoire que Marc. Plan Créatif, nous ne sommes pas en fait un institut d'études.
Plan Créatif est une agence conseil en innovation qui est issue du design et qui s'appuie sur le design thinking. Notre particularité, elle est d'innover par l'expérience client. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à comprendre aujourd'hui, dans le monde actuel, qu'est-ce qui est en train de bouger. Et je pense qu'on est tous là depuis hier pour comprendre que le monde est en pleine mutation, qu'il est bien difficile à appréhender. Et en innovation, c'est vraiment ce que nous allons chercher à comprendre en innovation par les usages. Qu'est-ce qui fait l'expérience client ? Et l'expérience, c'est finalement pas tant ce que l'on a, dont on a conscience, c'est pas ce qu'on déclare, mais c'est plutôt ce que l'on vit. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'aller chercher la différence entre ce qui est vécu et ce qui est déclaré. C'est réellement cette expérience dans son ensemble, avant, pendant, après, comment elle est modifiée aujourd'hui, de manière à avoir des leviers d'innovation. Et en fait, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, nous avons intégré les sciences humaines parce qu'on ne trouvait pas la façon d'observer vraiment ce qu'on appelle l'usage pour arriver à avoir des leviers forts pour l'innovation. On a donc développé une approche qu'on appelle User Intelligence qui est un croisement de différentes disciplines. Les sciences humaines, mais qui intègrent également des designers et du marketing stratégique. Et on a développé différents outils et en fait, à chaque problématique d'innovation, on s'interroge sur quelle est la meilleure façon d'aller chercher, d'aller comprendre ce qui est en train de muter en termes d'usage, comment comprendre où sont les leviers, où sont les opportunités pour innover. Ça nous a amené à développer, le design thinking, c'est notre mode de pensée, je vais vous en parler un petit peu plus, ce qu'on appelle des diagnostics user experience, et je vais vous raconter comment on l'a mis en place avec Delphine pour la Poste. Ce qu'on va voir, c'est que finalement, à chaque fois, sur chaque étude, on a une palette d'outils, et ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher ce qui nous paraît le plus opportun en fonction des sujets, quand on travaille sur le véhicule électrique de demain, sur le transport, sur la relation client. On a des sujets extrêmement divers et on a besoin d'avoir des outils extrêmement différents pour nous aider à appréhender ces usages. On travaille beaucoup sur tout ce qui est conception, user-centrique. On est vraiment centré sur l'individu au niveau de ce que nous on appelle le user. Alors, désolé pour cet anglicisme en français, usager, utilisateur, ça le réduit à quelque chose d'extrêmement fonctionnel, ce qui n'est pas le cas. Le mot anglais est encore certainement le plus proche aujourd'hui. Et on essaye de penser l'innovation et les études et la façon de concevoir réellement centrée sur l'expérience de l'individu. Et c'est ce qui va également nous conduire à rechercher des façons de tester, on en parlait tout à l'heure, les concepts sous l'angle vraiment de la compréhension de l'expérience. Nous développons également beaucoup de plus en plus des techniques de co-création justement avec les users et de voir comment est-ce qu'on arrive à bien comprendre, bien les intégrer dans cette co-création. Et puis l'observatoire User Trend, c'est un observatoire des signaux faibles d'usage partout dans le monde et qui nous permet d'être un levier fort pour ouvrir et innover. Donc, comme je vous l'expliquais, notre approche, elle est vraiment fondée sur le croisement de différentes disciplines, le design thinking, les sciences humaines et le marketing stratégique. Et quand nous réalisons des études, on s'attache énormément à essayer de comprendre l'expérience et on fait des études en couplant un designer, qu'on appelle des designers stratégiques, et des gens de sciences humaines sur le terrain pour à la fois récolter ce qui se dit et surtout observer ce qui ne va pas se dire et qui va nous servir de levier. Quand nous avons été consultés par la Poste, la question était comment allons-nous identifier comment et de quelle façon la relation client est en train de muter, donc, grande question, et comment est-ce que le courrier va se prendre sa place dans cette nouvelle relation client. On s'est dit très rapidement que la question de la mutation, elle était auprès de qui est-ce que nous allons observer et comprendre ce qui est en train de bouger. On a donc décidé d'aller voir une population un peu extrême, celle des qu'on appelle les digital natives, que finalement on s'est rendu compte que ce sont des digital minded, c'est-à-dire des gens qui ont réellement dégagé aujourd'hui des modes de réactivité, de fonctionnement, d'usage extrême par rapport au digital.
et d'aller interroger cette population très extrême parce qu'elle a développé des modes d'usage et d'expérience au niveau de la relation client et notamment avec le courrier qui sont celles qu'auront de manière plus ou moins prédictive la majorité de la population d'ici 5 ans, dû notamment au développement du smartphone. L'enjeu, il était d'identifier clairement qu'est-ce qui est structurant dans leur mode de pensée, dans leur mode de fonctionnement, d'aller les étudier au plus près et ensuite de confronter ce qu'on avait trouvé avec les équipes et en cherchant à développer des nouvelles offres. Comme la relation client, c'est un champ extrêmement vaste, infini, je dirais, dans tous les domaines. Comment l'appréhender ? C'était un travail au départ de cadrage pour se dire on ne peut pas l'identifier. Surtout, on va aller la cerner comme on part vraiment de l'expérience client sur des secteurs précis. Donc, on a travaillé en amont et on a décidé en commun avec Delphine de s'attacher à trois grands domaines qui étaient les banques assurances, la téléphonie FAI et la distribution, qui étaient trois domaines dans lesquels la relation client est extrêmement bouleversée actuellement. Et d'aller regarder finalement le vécu de la relation client au long cours avec ces personnes. Alors comment ? Eh bien, on a mixé différentes façons d'observation. On a travaillé d'abord avec un sociologue pour comprendre ce qui structurait réellement sur le fond les évolutions aujourd'hui des digital minded, pour avoir une vraie grille de lecture. Ensuite, nous avons été observer l'ensemble de l'expérience. Observer la relation client, c'est quoi ? Ben, c'est aller chez les gens et c'est les suivre en mobilité. La journée en tandem, donc toujours avec un designer et un chargé d'études, pour arriver à comprendre par rapport aux marques, par rapport à ce qui se passe, comment ils réagissent, comment ils vivent les choses, aller ouvrir avec eux leur boîte aux lettres le matin, aller regarder où est-ce qu'ils mettent le courrier, aller regarder ce qui se passe sur leur smartphone, sur leur internet, et puis les suivre dans la durée. Pourquoi ? Parce que c'est pas en une journée on comprend quelques usages, mais pas tous. Or, sur les différents secteurs sur lesquels on a travaillé, les durées de vie, les cycles de vie des produits sont très différentes entre une assurance et la distribution, vous imaginez. Donc, on a constitué une communauté online avec notre partenaire Respondi et nous avons suivi 80 personnes pendant 2 mois au quotidien en animant, en échangeant avec eux sur différentes thématiques pour arriver à comprendre au quotidien tout ce qui se passait et arriver à décrypter quels étaient réellement leur vécu, leur expérience, leurs usages, entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui se passait. Pour arriver à vraiment avoir une grille de lecture et comprendre vraiment les attributs de la relation sur les différents canaux. Tout ce diagnostic nous a permis d'avoir plusieurs choses. D'abord de comprendre, d'avoir des clés de lecture qui sortent au-delà même de cette étude spécifique sur le courrier qu'on utilise énormément aujourd'hui, et Delphine aussi, pour arriver à comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer aujourd'hui sur la relation, comment ça se structure, le rapport aux différents canaux, et pourquoi et comment, surtout, il y a ces modifications, ce qui permet d'envisager de nouvelles offres, de nouveaux concepts. On a travaillé ces nouveaux concepts avec l'ensemble des équipes de La Poste en atelier de co-création. Toujours ce qu'on appelle nous user-centric, c'est-à-dire qu'on crée en se mettant dans la peau du user, du client, de l'individu. Une fois qu'on a ces clés, on peut se permettre de se projeter dedans pour être au plus près et avoir du sens dans l'innovation. Et quand nous sommes dans des produits, dans des concepts innovants, la difficulté, c'est d'exprimer ce concept pour pouvoir le confronter. De la même façon que Marc expliquait qu'on a souvent des meilleures prédictions quand on n'implique pas directement les gens, bah, dans des produits très innovants, on se retrouve avec la difficulté de couper les gens des repères actuels. Comment juger du formel ? Vous avez forcément tous les référents que vous avez en tête. Et donc, on a développé, et ça, c'est vraiment une approche très design thinking, différentes façons de représenter le concept, et notamment sous la forme, par exemple, de storyboard, où on ne formalise pas le produit, on formalise le bénéfice, on formalise l'expérience. Qu'est-ce qui se passe avant ? Qu'est-ce qui se passe pendant ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe après ? Quel est le vécu de la personne ? Dans quelle situation elle va l'utiliser ? Qu'est-ce qu'elle va vivre ? Et on ne décrit réellement ni la forme du service, ni la forme du produit.
Ça nous permet d'aller tester des concepts extrêmement innovants et surtout de pouvoir tester des concepts de rupture en innovation. Et pour confronter ces concepts, est-ce qu'on va aller voir des digital natives? Pas seulement, parce que sinon, comme on a conçu avec leurs données, il y avait des chances que ça fonctionne bien. Ce qui est intéressant, c'était de les confronter à la fois auprès d'eux-mêmes, de la même population, et également de le confronter à une population classique, pour arriver à comprendre chacun des concepts ou chacun des offres, leur pertinence, et surtout la distance qu'il pouvait y avoir. Qu'est-ce qui était aujourd'hui acceptable par tout le monde et qu'est-ce qui ne l'était pas par la population aujourd'hui, mais qui probablement le serait d'ici 3 ou 5 ans. Ce qui permet également d'identifier les degrés de rupture et la vitesse à laquelle on peut développer des concepts. Vous avez passé la moitié du temps. C'est formidable. Je suis à la dernière slide. Merci beaucoup, Catherine. Je trouve que pour une société qui n'est pas une société d'études, vous débrouillez bien quand même dans le domaine des études. Delphine Degurs, donc vous êtes directrice marketing stratégique, veille et communication d'innovation. Alors, j'avais une double question. C'est d'abord, est-ce que vous pouvez décrire votre job? Parce que vous nous l'avez raconté en préparation, on trouvait ça tous assez passionnant. Et comment vous êtes amené à adopter cette méthode et cette société? Donc effectivement, moi je travaille au niveau du groupe La Poste et en fait mon activité c'est d'identifier l'impact des activités web sur nos métiers qui sont à la fois la banque, le courrier, le colis et donc les bureaux de poste. Et voilà, donc on a un travail qui est à la fois d'identifier, qualifier des nouveaux acteurs sur les marchés issus du web. Et puis, sans faciliter l'appropriation, on fait des prototypes avec eux ensuite dans la direction. Et moi, donc, j'ai à la fois l'activité de veille et puis marketing stratégique, c'est-à-dire de pouvoir quantifier et identifier des études d'opportunités. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis dans cette entité. Et donc effectivement, c'est une entité qui est très orientée techno. Et en fait, moi, j'ai un passé d'études, donc il y a une dizaine d'années. À la fois chez Automobile Peugeot, donc voilà, Marie-Françoise Zeller, donc je fais hommage aujourd'hui, et puis chez Research, Feu Research International, voilà, où j'étais directrice d'études, donc j'ai effectivement quand même toutes ces méthodologies et ces études qui sont dans mon background, et donc quand j'ai intégré, après j'ai fait du conseil, donc quand j'ai intégré La Poste, voilà, j'ai été dans cette direction, ce qui me manquait, c'était, bon, on identifie des technos, on identifie des acteurs, mais en fait, la question, ce n'est pas la techno, mais l'usage. Et c'est en ça que ça va venir bouleverser l'appréhension de nos activités. Voilà, et donc, du coup, la question s'est posée, parce qu'on a travaillé avec la direction du courrier sur son positionnement, le positionnement du courrier, en tant qu'offre dans la relation client. Donc effectivement, il y a eu tout un travail qui positionne le courrier comme média premium de la relation client aujourd'hui, donc en tant qu'écrit, en tant que support qui reste, qui impacte, etc. Mais on s'est posé la question, voilà, à l'ère du digital, à l'ère d'une focalisation sur le média, Internet, le display, Facebook, les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire donc demain? Et pour ce faire, donc, c'est là, du coup, moi, j'ai vraiment voulu travailler à partir de l'usage et de l'observation de ce qui pouvait se passer. Et donc, c'est comme ça, quand on s'est rencontré avec Plan Créatif, que je leur ai proposé de réfléchir sur une méthode qui pouvait s'appliquer à quelque chose d'aussi matériel que la relation client. Voilà. En interne, c'est tout même, j'imagine, pas mal, une fois de plus, de travail. Il est intéressant de voir comment ça s'est animé. Parce que si je comprends bien, je ne sais plus si vous l'avez tout à fait dit au départ, mais vous êtes vraiment transverse à tout le groupe La Poste, donc sur tous les métiers. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi intéressant au départ. Moi, pour les convaincre, j'ai payé l'étude. D'accord. Donc j'ai dit, je propose d'essayer. Donc on m'a dit, bon, ok, on va voir. Et comme quoi, il faut toujours donner d'abord pour recevoir. On est voilà. D'accord. Voilà, et puis il y avait aussi pour moi un enjeu d'appropriation de ces nouveaux usages, de travail aussi en façon transversale au sein même de la direction du courrier, parce que bon,
C'est une grosse entreprise assez cloisonnée dans les pratiques marketing. Donc du coup, en fait, avec les résultats, il y avait une chose, les résultats, mais pour moi, le travail important a été le fait de les restituer dans le cadre de workshops pendant une journée, avec des personnes qui se sont appropriées, c'est quoi le digital, comment est-ce que les gens... Finalement, intègre la relation avec le courrier à quel moment. En fait, ce qui était très intéressant et utile, c'est qu'on a ressorti des cartographies, c'est la relation entre un individu et la banque. Donc la banque, nous, c'est des gros clients, dès qu'ils émettent des relevés de compte. Or, aujourd'hui, ils font de moins en moins de relevés de compte. Donc, et puis il y a du courrier à d'autres moments de la relation. Donc en fait, on a mappé la relation aux différents moments de vie d'un client et avec quel canal, téléphone, machin, courrier, jouer un rôle à ce moment-là. Et ça, pour nous, à la fois, ça a été un outil pour, en interne pour s'approprier les enjeux de nos clients, parce que concrètement, d'accord. Pourquoi on m'a dit OK, bon, si tu payes, on y va. C'est parce que jusqu'à présent, on ne se focalisait que sur les billes. Parce que nos grands clients, c'est 80 clients qui font 90% de notre chiffre d'affaires. Et les 30 millions de Français qui ont une carte postale, ce n'était pas notre sujet. Or, on est bien dans une relation de B2B, B2C. Et notre question, c'est établir la relation entre une entreprise et son client. Et donc c'était bien de comprendre cette relation entre l'entreprise et le client pour que l'on puisse nous-mêmes être à même d'avoir un discours, remonter dans la chaîne de valeur, avoir un discours de positionnement auprès de nos clients. Et aujourd'hui, c'est une transformation dans notre façon de vendre et donc aussi de nous positionner en interne dans les grands comptes qui est fondamentale parce que concrètement, nos clients, ils voient des agences de com qui ne leur parlent que de Facebook, qui ne leur parlent que de leur prochain site et de comment ils se font en relation client sur les réseaux sociaux. J'ai même une agence vraiment spécialisée en marketing direct historiquement qui me dit « Oui, bon, on n'ose plus le dire qu'on fait du marketing direct, même si c'est une des grandes spécialistes. » Voilà, c'est du coup un discours que nous sommes amenés au niveau de la Poste à vraiment porter aujourd'hui auprès de nos clients entreprises. Moi, j'ai une question qui me démange. Je vous l'avais déjà un petit peu posée, mais je pense qu'elle peut profiter à tout le monde avant même que les questions arrivent. C'est comment on fait quand on est dans une entreprise où on n'a pas la chance d'avoir une personne comme vous à une direction comme la vôtre ? Et eh oui, je sais pas. Beaucoup d'organisations. Je sais pas s'ils le vivent comme ça. Non. Mais je dis pas sans ça. Je dis pas que ça par flatterie, mais je veux dire, il y a une vraie organisation et une volonté de l'entreprise. Donc, comment on peut. J'ai presque même aussi envie de poser la question. On en parlera peut-être après. Mais comment on fait au niveau de plan créatif quand on n'est pas face à une entreprise qui a déjà, sur le plan structurel, une ouverture à ça, en tout cas qui prédispose à avoir une vision plus fédératrice, différente des métiers dans une entreprise, quoi. Mais est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça ? Je me dis que s'il y a d'autres entreprises ici qui se disent « mais nous, on n'a pas une direction comme ça, comment on va faire ?» Alors, ça a été une vraie chance d'avoir évidemment Delphine, parce que ça a permis de construire et d'être innovant aussi sur la méthodologie. Même quand on est en innovation, on ne cesse sans cesse de faire avancer les méthodologies pour la compréhension. Ouais. Avec Delphine, ça nous a permis d'aller plus loin, d'introduire la sociologie, d'introduire de la communauté online. On avait une confiance et un partage par rapport à ce qu'on cherchait. Quand on est avec des entreprises qui sont moins avancées, mais qui sont en général, enfin, nous, toujours motivées par l'innovation, on rentre vraiment par les usages et on rentre beaucoup par les exemples des cas. On traite énormément de sujets très très différents avec un point convergent qui est la conviction, et on part toujours de là, que c'est finalement, quand on parle de consumer empowerment, de la force de l'individu, elle est réelle aujourd'hui dans le succès et le sens qu'on doit donner ou qu'on peut donner à l'innovation produit ou service. Et on part de cette conviction-là et des cas qu'on a réalisés pour trouver des personnes qui font écho. Et puis, on intègre énormément les gens de l'entreprise. Dans le process, on n'est jamais complètement séparés. C'est-à-dire qu'ils partagent avec nous. Quand on est en communauté online, ils participent. Ils ont une ouverture pour pouvoir participer et eux aussi poser des questions. On partage toujours le diagnostic, beaucoup en collectif, y compris sur l'insightment. Et puis, il y a un dernier point, c'est que la co-création, la création en innovation ne se fait toujours qu'avec les personnes de l'entreprise, en mixant les équipes.
C'est un devoir d'appropriation nécessaire. Merci. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, travailler sur ces méthodes, c'est d'abord aussi un vrai partenariat et une vraie confiance en fait entre le cabinet et puis moi, parce que c'est comme ça qu'on se donne un peu de courage aussi, et puis qu'on y va et on construit en fait en même temps. Et puis ensuite, d'ailleurs, Plan Créatif m'a beaucoup aidée aussi en promouvant l'étude auprès de ces grands comptes. Et du coup, par exemple, on est allé voir Yves Rocher pour présenter les résultats. Et donc, moi, j'ai amené aussi le responsable, la directrice marketing et la directrice commerciale pour qu'on présente les résultats. Et voilà, et c'est pas forcément facile parce que les résultats, notamment sur marketing direct, pour les acteurs classiques de la VPC, clairement, on voit qu'il faut qu'ils modifient leur mode de fonctionnement, et cela remet en cause aussi le mode de travail sur le marketing direct et donc les volumes de courrier. Mais on l'a fait pour être proactif, pour proposer des nouvelles façons de travailler sur les attributs du courrier, travailler en interactivité, proposer justement des méthodes d'expérimentation avec eux. Et voilà, et ça m'a permis vraiment après de vraiment montrer l'utilisation de l'étude. Merci, c'est très intéressant. On va, genre justement, puisque la question fait la transition aussi avec la troisième et dernière intervention, moi je repose toujours la question, les nouveaux protocoles pour l'innovation en entreprise, c'est aussi comment on fonctionne avec l'entreprise. Je suis bien d'accord avec vous, l'innovation elle se fait pas sans l'entreprise, elle se fait d'abord en comprenant à qui on a affaire et comment on peut activer les choses, en ayant évidemment des interlocuteurs en face. Alors j'ai envie de passer maintenant la parole justement à Strategic Research pour qu'elle nous explique sa méthode de l'océan bleu et qu'elle nous ravive la lumière des slides. Merci. Donc nous avons au pupitre Michael Ben-David, directeur général de Strategic Research, et Marc Beauvais-Colladon, Strategic Research Professionnel Associate. Alors je ne sais pas dans quel ordre ça va, mais... Je vais démarrer par l'introduction. Je vais très rapidement céder la place à Marc qui va parler par l'exemple, parce qu'on va essayer de solliciter le système 1, si je comprends bien. Et bien sûr, ensuite à Charles Roulet de L'Oréal pour qu'il témoigne de son expérience de la méthode, comment il l'a ressenti. Alors, ce dont on voulait parler en fait aujourd'hui avec vous, c'était de l'innovation radicale. C'est ça le sujet qui nous intéresse dans Stratégie Océan Bleu. Et en commençant par presque un paradoxe, c'est-à-dire on sait que l'essentiel de l'activité d'innovation des entreprises se concentre sur des innovations incrémentales, sur la rénovation, sur des extensions de gamme, etc. Mais on sait depuis le travail notamment de Kim et Moborgne de l'INSEAD qui ont fondé la démarche stratégique de l'Assemblée que seules les innovations radicales sont véritablement capables de générer du profit, de générer de la vision à long terme. Donc la raison, enfin la question qui vient un peu à l'esprit, c'est pourquoi les entreprises investissent autant d'efforts sur de l'innovation incrémentale alors que les profits viennent de l'innovation radicale. Bon, la première explication qu'on peut donner, c'est sans doute très difficile de faire l'innovation radicale, donc c'est peut-être un peu plus simple d'aller sur des actions de rénovation plutôt que de changer la donne. On sait aussi qu'il y a une pression, bien sûr, du court terme qui pousse à obtenir des quick wins. De façon un peu plus fondamentale, on sait que le focus, souvent, en matière d'innovation, c'est de se comparer par rapport aux concurrents. Il y a des activités de veille qui sont, bien sûr, nécessaires à la bonne hygiène de vie des entreprises, mais à force d'observer les concurrents, on finit un peu par les imiter. Un troisième élément, c'est que l'innovation est souvent amorcée par le travail de segmentation, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à creuser le marché, à détecter des insatisfactions, à essayer de détecter des insights qui vont ouvrir des nouvelles portes dans la catégorie. Bon, le problème, c'est que sur des marchés qui sont assez saturés, un bon nombre de marchés de grande consommation sont un peu dans cette situation-là. La taille, on va dire, des innovations radicales, enfin des espaces blancs, des espaces non couverts aujourd'hui par les offres, est quand même assez petite. Voilà, dernier élément qui pousse les entreprises à freiner, j'allais dire, pour aller vers l'innovation radicale, c'est qu'on sait qu'elles sont plus risquées par nature. Hein, il faut...
souvent dépasser le savoir-faire existant dans l'entreprise, donc ce n'est pas très facile. Parfois même, il faut modifier le modèle économique existant pour précisément couvrir de nouveaux territoires, et ça, c'est aussi très compliqué. Donc le résultat souvent des processus de sélection, à la fois en termes d'études ou même vis-à-vis du management, c'est que ces idées radicales ont tendance à être tuées dans le long processus qui les mène de l'émergence jusqu'à une sortie sur le marché qui ne se produit jamais. Voilà. Donc ce qu'on présente en fait aujourd'hui, c'est une méthode, une approche pour être plus précis, qui permet de générer ce qu'on appelle des innovations radicales par une espèce de processus que Marc va expliquer par l'exemple, qui consiste à redessiner les frontières du marché, c'est-à-dire à ne pas raisonner à l'intérieur de sa propre catégorie, à l'intérieur de ses acheteurs ou de ses utilisateurs actuels, mais d'essayer de repousser les frontières de l'existant. Voilà, donc je passe la parole à Marc. Merci. Alors on avait quand on parle d'innovation, c'est toujours assez difficile, parce que d'abord c'est confidentiel, et puis ensuite, si on parle d'innovation radicale et de croissance, il faut avoir du recul dans le temps. Alors, stratégie de l'océan bleu, le démarrage des travaux, j'ai eu la chance d'y participer, c'est en 1995. Et là, je vais vous présenter les résultats d'un produit qui est sorti sur le marché fin 2006. Alors, on a choisi un exemple japonais, on aurait pu prendre un produit français qui est sorti également en 2006, pour lequel on a travaillé. Alors, cet exemple, c'est la Wii de Nintendo. Alors, ce n'est pas toujours reçu, mais effectivement, les gens de Nintendo ont utilisé la méthode de stratégie de l'océan bleu pour développer la Wii. Alors, pour remettre ça en perspective et dans l'histoire, il y a une date clé dans l'histoire de Nintendo, c'est 1985. En 1985, Nintendo crée le marché de la console vidéo avec deux produits. Un produit que certains d'entre vous ont eu dans la main, et probablement si vous l'avez vous en rappelez. Ça existe encore, ça s'appelle la Game Boy. Et puis, en parallèle, il y avait une grosse console qu'on branchait sur la télévision qui s'appelait la NES. Alors, NES, ça ne vous dit rien. Et la NES, ça a été la première génération de grosses consoles vidéo. Et à l'époque, Nintendo en a vendu 60 millions. Alors, je vous dis ce chiffre de 60 millions parce que c'est intéressant. Ce 4 générations après, et avec la concurrence qui arrive, la dernière console qu'ils ont sortie, qui était en 2001, qui s'appelait la GameCube, ils en ont vendu 20 millions. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer un acteur qui crée un marché, qui par définition est en situation de monopole et donc est le numéro 1 et qui se retrouve numéro 3. Et donc voilà la situation Nintendo, et par rapport à ça il y a trois réponses stratégiques possibles. On est sur un marché qui est typiquement produit, où à chaque fois il y a des améliorations produits, donc on peut faire de la surenchère technologique. Le seul problème c'est que Nintendo il est en face de lui Sony et puis Microsoft, et à chaque fois Nintendo met 1 million en recherche et développement, j'ai pas besoin de vous expliquer Microsoft combien ils peuvent mettre. Donc la surenchère technologique c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas jouer. Bien que ça aille à l'inverse des standards de l'industrie. Ensuite, autre solution typiquement marketing, on va se choisir une niche, on va segmenter le marché, et puis sur cette niche, on va vraiment se focaliser dessus, on va avoir le produit parfait. Pour Nintendo, ce n'est pas pensable. Alors, je vous rappelle, ce sont des Japonais, et c'est un ancien leader de la catégorie, il ne veut pas se retrouver effectivement coincé sur peut-être une mare bleue, mais en tout cas, pas leader d'un marché important. Et puis quitter le marché. Et la problème, alors, c'est logique hein, en termes de stratégie, puisque, comme vous le savez, le numéro 1 gagne pas mal d'argent, le deuxième en gagne, puis le troisième, soit il en perd, ce qui était le cas, soit il en gagne un petit peu, mais c'est jamais une position très confortable. Et donc, c'est de sortir de cet océan qui est un océan rouge, puisqu'on se bat sur la technologie, on se bat sur les prix. Et c'est pas jouable, puisque, comme je vous l'ai expliqué, dès le départ, Nintendo était sur deux types de consoles, et si on disparaît d'un type de console, par définition, on se condamne à disparaître du deuxième marché. Alors, ils ont utilisé stratégie océan bleu, et j'ai montré une citation du patron Nintendo, parce que je pense qu'elle exprime le plus clairement possible la manière dont on pense quand on utilise la méthodologie. Et c'est de dire, les concurrents, on les ignore, on ne se bat pas contre Sony ou Microsoft, on se bat contre l'indifférence. Et on se bat contre l'indifférence des gens qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. Le marché est loin d'être saturé. Vous allez le voir, probablement certains ou certaines d'entre vous vont sourire sur le transparent suivant. Il y a tout un marché qui n'est pas couvert et pas atteint.
Et donc, quand on utilise stratégie océan bleu, un de nos premiers efforts, alors il y a beaucoup de choses en stratégie océan bleu qui sont en contradiction avec le marketing classique, c'est-à-dire les concurrents ne les regardent pas, ils ne nous intéressent pas, et les clients ne nous intéressent pas. Parce que les clients, par définition, ils ont un certain intérêt pour les produits, pour les offres, puisqu'ils les ont achetés. Et donc, on va forcément s'intéresser aux non-clients, et effectivement, on va aller rechercher ces non-clients. Alors, dans le domaine de cette console, c'est relativement facile, puisqu'on veut briser l'indifférence d'un utilisateur, mais il faut capturer des nouvelles cibles. Et la cible de la console, c'est quoi? C'est le mâle de 11 à 30 ans. C'est vos garçons, vos ados qui sont allongés sur le lit. Ce sont vos enfants de 12 ans qu'un jour vous avez retrouvé à 5 heures du matin devant la télévision. Vous n'avez pas le droit de jouer aux jeux vidéo, mais ils ont compris qu'en mettant leur réveil à 5 heures du matin, pendant que papa et maman dorment, et bien on peut aller dans le salon pour jouer à la console vidéo. Ça, c'est le cœur du marché. Et comprendre effectivement pourquoi des gens refusent à leurs enfants l'achat d'une console vidéo alors que tous les copains de la classe en ont une. Et il y a deux blocages. Il y a un premier blocage qui est lié au physique, c'est de dire, moi, mes enfants, en particulier mes garçons, je préfère qu'effectivement qu'ils aillent sur un terrain de foot plutôt d'ectaphalie sur un canapé à jouer à un jeu vidéo. Et la deuxième chose, il y a le frein psychologique. Et comme vous le savez, le succès de ces jeux-là, c'est on tue à peu près tous les 25 secondes. Quand on n'y arrive plus à tuer, on va sur Internet pour savoir comment franchir l'étape pour pouvoir tuer un peu plus loin. Ou alors on conduit une voiture et le jeu consiste à renverser les autres voitures. Et donc, la position de Nintendo, c'était de dire, il faut effectivement qu'on aille faire quelque chose qui ne soit pas très porté sur le shoot and kill. Et là, ils avaient une facilité, puisque Nintendo, à l'origine, c'est une société qui faisait des jeux de cartes. Donc, le jeu convivial, le jeu en famille, c'était quelque chose qu'ils connaissaient. Et puis, de créer du mouvement. Alors, à côté de ça également, ce qu'ils avaient observé, c'était de dire, mais ce n'est pas un jeu de seigneur. Et la réponse a été relativement facile, c'est effectivement quand on est grands-parents, on n'est pas forcément intéressé à jouer avec un jeu, avec un enfant de 13 ans, où il faut tuer des gens en permanence, parce qu'on a peut-être un passé par rapport à la guerre dans la plupart des pays du monde qui n'est pas très positif. Donc là, le jeu de Nintendo, c'était capturer de nouvelles valeurs d'usage, et c'est très cohérent avec ce qu'on a entendu. Donc on a parlé de regarder les non-clients, on a parlé de valeurs d'usage, donc c'est créer des jeux qui étaient vraiment transgénérationnels. Alors ce qui est intéressant également sur la Wii, c'est que c'était beaucoup repris sur du B2B. Aujourd'hui, Sanofi développe des logiciels pour les maisons de retraite, puisque le mouvement a un gros intérêt, et se focaliser sur l'expérience de l'utilisateur. Là, je répète des choses que vous avez entendues précédemment, mais l'expérience de l'utilisateur, c'est ça qui est fondamental. Et dans ce métier de la console vidéo, c'est ne plus se focaliser sur le produit, mais se focaliser sur l'expérience et créer une nouvelle manière de jouer. Alors le résultat, je vous présente en forme de courbe. Ce qu'on recherche, nous, c'est de la rupture, et donc on parle de divergence. Et cette divergence, on l'exprime à travers cette courbe et le décalage. Si vous avez des courbes qui sont proches, on est en convergence, on est en légère différenciation. Là, la divergence, vous la voyez, c'est oser éliminer un certain nombre de choses, c'est-à-dire par rapport à des standards de ce qu'est une console vidéo, en termes de DVD, en termes de disque dur, en termes de son, en termes de connectivité, en termes de puissance processeur, offrir moins que les concurrents. Alors, il y a d'abord un avantage, de coût, c'est-à-dire que ça coûte moins cher à fabriquer, et donc soit vous pouvez augmenter vos marges, soit vous pouvez baisser vos prix. Et puis ça permet également de refocaliser toute l'attention sur d'autres critères qui vont attirer les nouveaux utilisateurs. Et là, c'était le fait que ça devait être ludique, ça devait être pour toute la famille, et le contrôle devait être fait par le mouvement. Alors, ce n'est pas là une invention technologique, bien que vous puissiez penser qu'il y en a une derrière. Nintendo, ils n'ont pas inventé cette fameuse manette. Cette fameuse manette, ils l'ont trouvée dans une société en Suisse qui faisait des appareils pour les chirurgiens qui opèrent à distance. Parce que là, le geste doit être très précis. Il existait des brevets, ils ont repris ces brevets. C'est beaucoup plus facile de faire une manette pour jouer au ping-pong, pour d'opérer quelqu'un avec une précision de quelques microns. Et ils ont cherché là la technologie. Mon observation et expérience de pratique de 15 ans de stratégie du océan bleu, c'est que les entreprises qui font totalement l'innovation sur la technologie sont assez peu sensibles à ce genre de méthodologie, qui vont effectivement regarder le marché, qui se focalisent sur la création de nouveaux marchés. Et ce nouveau marché, c'est la recherche de non-clients. Alors, je vous ai cité des chiffres de millions de départs. Rappelez-vous, 60 millions, 20 millions. La Wii, c'est aujourd'hui plus de 95 millions de consoles vendues.
c'est une multiplication par 3 du chiffre d'affaires de Nintendo. Donc voilà l'histoire que je voulais raconter. On avait une autre histoire qui était plus française dans le groupe SEB, mais qui est tout à fait équivalente dans la recherche du non-client et également dans le succès commercial que l'on peut prouver qu'après, de toute façon, quelques années. D'accord. Alors, je vais essayer de vous expliquer. On a un processus qui est très structuré. On ne travaille pas sur la créativité. Vous voyez là. Il faut qu'on explique la méthodologie aux participants. On travaille avec les gens d'entreprise, comme va vous l'expliquer Charles. On travaille avec des équipes de 10, 12 ou jusqu'à 45 personnes. Ce sont ces gens-là qui vont faire les interviews. Ce n'est pas très bon pour les gens d'études, mais on considère qu'il faut aller voir sur le terrain et aller soi-même toucher les non-consommateurs. Dans cette exploration de marché, on va voir principalement deux types de personnes, soit des non-consommateurs, et on va voir des experts, mais on va voir des experts qui sont en dehors de l'industrie. Des gens qui sont des alternatives. On reviendra peut-être, il y aura peut-être des questions autour de ça. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on confronte les insights de ces entretiens avec un outil qui a été créé par Kimemo Boring qui s'appelle les six pistes. Et la confrontation de ces deux choses-là nous permet de générer des idées, probablement de manière systématique, entre 150 et 200 idées. On a un processus de sélection avec des outils que nous avons créés également au fil du temps. Ensuite, on rédige des plateformes qui sont des documents de 10 pages dans lesquels nous avons des scénarios d'usage. Donc, on est cohérent effectivement avec ce que vous avez déjà entendu et qu'on présente au cours d'une foire aux idées. Alors, plutôt que de vous, foire aux idées, ça peut vous paraître un peu bizarre, plutôt que vous exprimer tout ça, je préfère que Charles en parle puisqu'il a eu l'expérience de subir une initiative stratégie Océan Bleu. Il a l'air de s'en porter bien. On l'a menée il y a maintenant 2 ans. Bonjour à tous. Donc oui, je travaille à la direction de l'innovation chez L'Oréal. Et évidemment, comme le disaient Michael et Marc, plutôt que de vous présenter des résultats, puisqu'il s'agit d'un cas concret, je voulais plus témoigner d'un vécu, donc plus la méthodologie et la relation avec Strategic Research et la méthodologie Océan Bleu. Donc pour vous donner un peu de contexte, c'est un projet qui portait sur les catégories de l'hygiène. Et pour rappel, si certains ne le savent pas, L'Oréal a 4 grands métiers. C'est les métiers du capillaire avec la coloration, le styling, le hair care, etc. Le soin de la peau, de l'anti-âge à la protection solaire, en passant par tout ce qui est peau grasse, etc. Le maquillage sous toutes ses formes, toutes ses couleurs et le parfum. Et donc, même si on est très fort en France, c'est à peu près le seul marché dans le monde où on est présent sur ces marchés de l'hygiène. Depuis 3 ans à peu près maintenant, on est en pleine internationalisation de ces catégories. C'est un vrai relais de croissance pour le groupe. Mais on a quand même fait le constat de façon très humble qu'on était de vrais challengers et qu'on était face à des concurrents très forts, très présents et très présents depuis longtemps. Donc on s'est dit que cette méthode d'Océan Bleu était complètement adaptée à notre situation de challenger parce qu'elle vraiment elle regardait au-delà du marché comme l'attend... comme on l'attend tous, le marché défini par les paramètres classiques. Et cette histoire d'océan rouge et d'océan bleu était tout à fait adaptée à notre problématique sur les métiers de l'hygiène. Le deuxième point très important, c'est que l'innovation qui a piloté ce projet, cette collaboration, pour la recherche, donc la recherche et le développement, est en fait intégrée, la direction de l'innovation est intégrée à la recherche et non pas au marketing. On croit beaucoup chez L'Oréal à la confrontation, l'interaction entre la recherche et le marketing. Donc on parle de consumer insight qui part du market, du marketing, où on briefe la recherche pour trouver une solution technique. Mais on parle aussi beaucoup chez L'Oréal, et presque plus, d'une avancée scientifique, d'une découverte technique. Et on s'adresse au marketing pour mettre en scène ces bénéfices perçus. Donc c'est vraiment ce qui fait un peu... une grande force de la maison. Et encore une fois, sur les métiers de l'hygiène, on avait beaucoup moins d'expertise technique, beaucoup moins d'expertise scientifique côté laboratoire que par rapport à la coloration ou le maquillage qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Donc ça a été vraiment intéressant d'intégrer une méthode de créativité dans les laboratoires, ce qui n'avait jamais fait, et encore moins sur l'hygiène, et ce qui nous a permis d'être assez... en rupture avec ce qu'on pouvait attendre de nos chercheurs.
Deux points très importants qui font partie de la méthode que Marc vous a présentée rapidement. Un des grands principes, c'est non pas uniquement, si j'ose dire, de pousser le curseur un petit peu plus loin sur des points importants pour le consommateur ou de créer des nouveautés au-delà de tout ce qui est attendu par le consommateur, mais c'est d'essayer aussi, bien sûr que c'est important de créer, d'innover, etc., mais c'est d'essayer de réduire, voire de faire disparaître certains paramètres que finalement sont devenus importants, mais ne sont pas si importants pour tous. Alors, sans citer d'exemples concrets sur notre projet, on pourrait faire un parallèle avec, par exemple, la catégorie du soin et de l'anti-âge. Cette méthode, je vous laisse imaginer que tout le monde s'arc-bute sur la solution anti-ride, et pourtant, il y a bien d'autres attentes au-delà du combat contre la ride sur le marché et sur les consommateurs. De la même manière, sur les déodorants, si on va uniquement dans l'augmentation de ce qui existe déjà, on tomberait dans la surenchère de la course à l'efficacité, 24 heures, 48 heures, 72 heures, ça en devient presque risible. Et donc, cette méthode a vraiment été très, très successful pour nous, pour créer de la valeur. Et j'insiste aussi sur un point, c'est que, comme Marc le disait, le fait d'abandonner certains paramètres, qui vont souvent avec un coût, nous a permis de rester avec des innovations, mais compétitives au niveau prix, ce qui est encore plus important en grande consommation que sur certains autres marchés qui peuvent jouer la carte premium. Le deuxième point très important, c'est aussi le fait de dépasser ou même d'un temps d'ignorer le cœur de cible auquel on peut s'attendre habituellement. Pour aller voir justement ces non-utilisateurs d'une catégorie et en vraiment décortiquer comme point de départ les raisons de cette non-utilisation ou de ces grandes insatisfactions, les grands dubitatifs. Alors je ne dis pas en tant que personne du marketing que le cœur de cible n'est pas important, mais un cœur de cible pour moi est vraiment beaucoup plus important en termes de positionnement de marque ou de communication média. En revanche, aller voir les non-utilisateurs est beaucoup plus intéressant pour trouver des nouveaux leviers d'innovation et de satisfaction. Donc ça a vraiment été une clé de la réussite aussi. Pour finir, je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps, deux points forts que je voulais souligner sur l'initiative et la collaboration avec Strategic Research, c'est que cette méthode nous a forcé, encore une fois, challenger sur les métiers de l'hygiène, en travaillant avec les laboratoires qui d'habitude trouvent des solutions techniques, là on les a mis au centre de la créativité et on les a entourés en interne de gens avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Donc cette task force, cette équipe multidisciplinaire forcée à travailler avec ces chercheurs, avec des gens du digital media, le spécialiste du recrutement des jeunes étudiants, de la Gen Y, etc., etc., a vraiment été un vrai plus pour amener des nouveaux leviers pour nos laboratoires. Le fait aussi, comme tu le disais tout à l'heure, le fait de les rendre responsables, d'aller sur le terrain, faire eux-mêmes les entretiens avec ces consommateurs insatisfaits, a vraiment, je crois, été un des points clés du succès de cette collaboration. Et puis le deuxième grand chapitre, c'est parmi tout le process qu'on a vu tout à l'heure, qui a le mérite de structurer l'innovation. Moi, celui qui m'a le plus plu et qui a été le plus productif, c'est cette foire aux idées. Alors, comme tout le monde, le mot m'a fait rire au départ. Foire aux idées, je peux dire, on est à la foire. Chez L'Oréal, ça ne fait pas très bon. Et puis finalement, le fait de mettre les équipes recherche sont à l'origine de cette créativité devant le top management élargi et de les faire présenter, alors que d'habitude ils n'ont qu'à présenter des courbes de performance fonctionnelle, des améliorations, des pourcentages, des statistiques. Là, ils se sont mis dans la peau un peu du marketeur et ça les a forcés à simplifier les idées et du coup à convaincre beaucoup plus facilement. Ça a eu un bénéfice de transformation ou d'accélération de la transformation de ces idées, sans passer par tout le détail technologique et scientifique qu'ils font habituellement.
Le deuxième point très intéressant aussi, c'est que ce que nous propose Strategic Research, c'est dans ce dernier grand rendez-vous de Foire aux idées, donc il y a 50-60 personnes clés de la société, on invite des gens de l'extérieur. Alors tout de suite, ça rend un peu nerveux, hein. On a des gens de l'extérieur pour nos nouveaux projets d'innovation, on va faire du radical, mais alors c'est des gens d'industrie non concurrente et qui ont le plus d'avoir déjà été exposés à cette méthodologie Océan Bleu. Donc ils sont à la fois un peu un garde-fou sur la méthode, et ils ne s'en privent pas d'ailleurs de nous dire quand on se rapproche de l'Océan Rouge. Souvent à cause des réflexions du management, hein, un peu craintif d'aller si loin du cœur de cible ou si loin des paramètres classiques d'une catégorie, eux sont là aussi en soutien pour nous assurer qu'on reste sur des idées vraiment de rupture. Et puis aussi, ils sont une autre source additionnelle de créativité qui nous a beaucoup aidés. Donc voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions spécifiques pour vous et pour Strategic Research, on va passer la parole à la salle s'il y a des questions. Sur Twitter, j'ai rien de particulier à part un fan club de La Poste qui s'est manifesté. Mais, mais sinon, vous avez la parole. Qui se lance pour... Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui. Donc je suis Laurent Melki, je suis consultant indépendant. En fait, la question, c'est que vous avez mis en chez L'Oréal, vous avez mis en scène les, vous avez mis en avant les gens de la recherche pour qu'ils puissent être acteurs de l'innovation. Et ma question, c'était plutôt à Madame de la Poste, c'est de savoir si l'expérience de mettre les facteurs dans des dispositifs dans lesquels ils seraient acteurs de l'innovation, puisqu'ils sont tous les jours au contact des clients et sur le terrain. Est-ce que c'est des choses que vous avez essayées ou vous envisagez ? Oui, en fait, on a un process d'innovation participative avec des outils, effectivement, avec le facteur qui remonte des idées, des bonnes pratiques et tout un process de sélection des idées. C'est essentiellement piloté dans un objectif... plutôt bonne pratique, partage en termes de... c'est piloté par la qualité, donc c'est vrai que c'est plus dans un objectif industriel. En fait, on est un acteur industriel et donc on est beaucoup sur le partage de bonnes idées au niveau France sur comment on fait notre métier. Il y a aussi des remontées en termes d'idées, effectivement, au contact des clients et ensuite c'est géré dans le process de qualification d'idées. Donc il y a un process, effectivement, qui est en place à ce niveau-là. Bonjour, Karine Sevos-Goya, Identité et Concept. Moi, j'avais une petite question pour Brand Juicer sur le matériel en fait, qui est montré effectivement au panel pour illustrer vos idées ou concepts. Quelle est la sophistication ? Est-ce que c'est que de l'image ? Est-ce qu'il y a du texte ? Est-ce qu'on peut rester quelques instants dessus ou est-ce qu'il faut que ce soit vraiment instantané ? Écoutez, c'est comme vous voulez, en fait. Ce qui est important, c'est de respecter les règles qu'on utiliserait pour n'importe quelle thèse de concept. À savoir qu'il faut choisir un format, s'y tenir pour présenter toutes les idées dans le même format, dans le but de ne pas introduire trop de biais. Et après, on peut faire la totale, si on veut bien, avec insights, key message, reason to believe, etc. Ou on peut faire les choses beaucoup plus simples, plus en amont, avec juste une petite image et un peu de texte, ou même que du texte. Ce qu'il faut dire, cependant, c'est que, encore une fois, système 1, système 2, si vous mettez une image, les gens vont y réagir beaucoup plus fortement. Ok ? Alors un tout petit conseil, quand il s'agit de tester des idées, avec les images, il faut faire un petit peu attention et avoir des images qui soient en relation avec le produit, si possible, ou le service, du moins des images dont on puisse essayer de contrôler l'interprétation. Parce que si vous montrez des images trop générales, on n'est pas très sûr à quoi les gens réagissent. Mais ils peuvent rejeter une idée pour la mauvaise raison. Okay ? Donc je crois, petit learning, on passe beaucoup de temps dans les concepts, dans les idées, à travailler les mots. Travailler les images, c'est aussi important, voire peut-être plus important même. Euh,
pas de questions. Je vais en profiter, je vais en glisser une. Il y en a une là, ici. Voilà, je vous laisse la parole d'abord. Sabine Depré, L'Oréal, Recherche. Moi, j'aurais bien aimé poser la question donc, à la même personne qui vient de parler, là, sur le board, sur les émotions que vous avez montrées, avec les différents visages qui expriment les émotions. Si vous pouviez réexpliquer la façon dont vous l'utilisez, parce que je crois que je n'ai pas tout à fait compris. Donc, en fait, on utilise ces visages pour arriver à comprendre la raison pour laquelle les gens ont pensé que c'était une bonne ou une mauvaise idée, en l'occurrence. Okay ? Et la manière dont ça fonctionne, c'est que pour deux idées en particulier, on vous montre ces petits visages, il y en a sept, et vous devez sélectionner le visage qui correspond à votre ressenti, votre émotion, et ensuite on vous demande pourquoi vous avez ressenti cette émotion. Voilà comment ça fonctionne. Pour la petite histoire, ces visages en fait s'appuient sur le travail de quelqu'un qui s'appelle Paul Ekman, qui est un anthropologue américain. Si vous connaissez la série Lie to Me, c'est la même philosophie qui est derrière. Hein. Donc d'un point de vue académique, les émotions, ça a été compris depuis une bonne cinquantaine d'années. Le challenge, c'était ensuite de faire passer ça en études. On a mis 2 ans à développer ces petits visages, mais c'est encore un exemple, je crois, intéressant d'amener ce qui se fait dans le monde académique et de le rendre utilisable. Justement, la présentation ESOMAR portait sur toute l'explication. Moi, je me souviens de la norme, la mise en place aussi de ces petits visages avait été expliquée à ESOMAR. Donc, vous devriez retrouver en accès libre sur des anciens congrès toute l'explication justement théorique là-dessus. D'accord. J'avais une petite question par rapport à... Vous n'allez pas y couper, j'ai trouvé que vous en posez une. Je voulais juste vous demander, j'ai cru comprendre que quelque part vous étiez un peu le sponsor, c'est comme ça que vous l'appelez, ou en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est le relais dans l'entreprise, donc de tout ce travail, qui convoque les personnes, enfin, j'y convoque, c'est pas autoritaire, hein, je veux dire, qui fait l'élection des personnes, des groupes, etc. Et je me dis, comment on s'impose dans un groupe aussi structuré et organisé depuis longue date et qui fonctionne quand même plutôt pas mal pour venir comme ça bon, déjà, on n'a rien imposé. On n'a rien imposé puisqu'il y a eu deux ou trois points de déclenchement. Déjà, la clarté des points de différence et des points de cette méthode nous ont vraiment convaincus. Donc, ça a été aussi facile d'intégrer ou de vouloir tester ce nouvel outil en interne. Deuxièmement, je pense que j'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que le fait de proposer cet outil sur une catégorie où on reste encore des challengers nous a peut-être donné un peu plus de liberté pour essayer. Et puis aussi, c'est peu connu en externe, mais c'est vrai que L'Oréal est vraiment une société avec une culture d'entreprise vraiment basée sur tout ce qui est entrepreneurial. Et quand il y a quelque chose qui vaut le coup et que la collaboration prend, franchement, il y a rarement de refus d'essayer quelque chose de nouveau qu'il mériterait. Donc je botte pas en touche, mais c'est vraiment une caractéristique vraiment clé de notre entreprise. Et donc, il y a pas eu grand-chose à imposer. Hein. Si je peux un tout compléter la réponse de Charles, en fait, une des principales difficultés de Stratégie Océan Bleu, c'est souvent le processus de conviction. Et malheureusement, on s'est rendu compte que passer par la direction générale, qui est quelque chose qui est par nature un peu plus compliqué, est à la fois difficile en termes de prise de contact, mais c'est la condition, souvent, pour faire en sorte que des projets Stratégie Océan Bleu puissent se déployer. Pour plusieurs raisons. D'abord, on travaille sur l'innovation de rupture, donc ça fait un peu peur. Donc, il faut qu'on ait d'une certaine façon l'acceptation et le sponsoring de quelqu'un qui est placé assez haut dans la hiérarchie. C'est quelque chose qui aide. Ensuite, il faut mobiliser des ressources en interne. Et c'est plus facile de mobiliser des ressources lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui a un pouvoir d'autorité par rapport à ses ressources. Donc c'est vrai que c'est une difficulté objective par rapport à des processus d'études plus classiques, si je puis dire, qui peuvent être tout aussi intéressants, mais peut-être plus locaux, c'est-à-dire qui engagent moins le devenir d'une catégorie ou le devenir d'une entreprise.
Voilà, il est malheureusement en temps de conclure, donc je vais laisser Elisabeth, en tant que professionnelle et experte, la parole de la conclusion. Moi, je dirais très rapidement qu'il y a, trois choses qui m'ont frappée. Je les avais déjà dites quand on s'était vu en préalable. Ce n'est pas tous les points, mais c'est des éléments qui me paraissent essentiels et je voudrais y rendre hommage. Je pense qu'il faut de la non-conformité, de la prise de risque et beaucoup de confiance. En tout cas, ça me paraît être trois des éléments clés. La non-conformité, parce que je crois que dans toutes les approches, en fait, le décentrage est très enrichissant et j'en suis intimement convaincue. Et c'est assez passionnant, il faut dire. Et puis une prise de risque, parce que je pense que vous avez tous tout même un peu glissé les mots de courage ou de tester ou de tenter. Et je voudrais vraiment rendre hommage à toutes les entreprises qui, à un moment donné, consacrent, même s'il est petit, chérie, même s'il est tout petit, un budget pour essayer d'entrer avec des méthodes un peu différentes pour aussi redynamiser. C'est une fois de plus, je pense que l'innovation, c'est tout même toute la vitalité d'entreprise qu'il faut que nous, gens d'études, on révèle, donc d'une certaine manière. J'espère en tout cas pour vous tous que là on a eu la preuve avec ces trois bobinomes, trinômes, que le métier des études, même si on dit qu'on n'en est pas tout à fait ou qu'on tourne autour, je crois que de toute façon c'est un métier qui intègre aussi beaucoup de nouveaux entrants, pas forcément native market researchers, c'est tant mieux. Je pense que c'est la preuve, et je suis contente de le dire au niveau du printemps des études, que le métier des études peut être une source véritablement de vitalité pour les entreprises, et que dans un climat de confiance, j'espère que là, on a donné envie à beaucoup pour 2012 et pour plein d'années après encore. Donc je vous remercie tous, et merci à vous pour votre écoute, et bonne continuation. Je crois qu'il y a une séance justement sur les émotions, sur tout ça, juste derrière. Donc. La seconde partie de notre après-midi, avec l'atelier Flash Benchmark. Donc si vous voulez bien, pour les derniers, vous asseoir ou... Très bien, merci. Donc cette deuxième partie d'après-midi est consacrée à un atelier Flash Benchmark. C'est notre second atelier Flash Benchmark sur le printemps des études. Je vous en rappelle le principe. Sur un même thème, trois sociétés vont vous en livrer leur approche, ce qui va permettre de nourrir vos réflexions. Elles ont chacune... un quart d'heure, montre en main, et ensuite vous pourrez les placer sous le feu de vos questions. Pour le confort de tous, je vous remercie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Et je vais introduire donc le sujet. Donc marque et émotion, le sous-titre de cet atelier Flash Benchmark, c'est comment accéder à la valeur émotionnelle de la marque au-delà du discours relationnel du consommateur. Nous avons donc trois jeunes femmes, donc je suis ravie de ce côté très féminin pour porter justement marque et émotion. Par ordre d'apparition au micro, vous aurez donc Madame Schutz pour la société Repère. Pardon ? Mais je vous appelle tout de suite au micro, voilà, comme ça vous pourrez tout de suite officier. Et ensuite, donc, nous poursuivrons par donc, une autre allocution pour TNS. Et enfin, Isabelle Fabry viendra vous mettre sous les feux de son hypnose. À très bientôt et bonne conférence à tous. Bonjour, bonjour à tous. Donc je vais démarrer, je vais tout de suite pas perdre mes 15 minutes. Je vais vous présenter en fait très rapidement la méthodologie Emotional Monitoring. Donc nous avons développé à Repère il y a quelques années. Donc suite en fait à des échanges avec un de nos clients, Moët & Cie. Donc, qui avait un. Donc, Moët & Cie a beaucoup de marques en France et à l'international et avait un process étude très riche, à la fois donc, des fonds de marque,
qualitatif qu'il faisait dans le monde entier sur ses marques, et à la fois un tracking international également sur toutes ses marques, donc quelque chose qui était vraiment très très étoffé et très pro. Néanmoins, cette personne se posait quand même beaucoup de questions par rapport à ses procédés d'études et était un petit peu frustrée parce qu'il lui manquait des... Il lui manquait un peu d'articulation entre quali et quanti. Pour lui, c'était difficile à faire. Il se disait également, j'obtiens les mêmes scores que mon concurrent, pourtant je sais que je suis différent. Alors, sans prendre une marque de Moët & Cie, par exemple, on peut imaginer Dior, Chanel. Dior, Chanel, des marques qui sont... qui ont un capital confiance, donc on peut imaginer en quanti très bon, excellent, une marque qui plaît, une marque moderne, une marque de luxe. Et derrière, on sait aussi par le quali que ça peut être un luxe différent entre les marques. Donc finalement, je sais que je ne raconte pas la même histoire, mais comment je peux l'appréhender, comment je peux le mesurer. Également, je sais que l'histoire que façonne une marque, elle la façonne en fait au niveau des individus, avec des individus. Finalement, lorsque je travaille en fond de marque ou en groupe, je m'adresse en fait à des groupes d'individus. Donc, est-ce que j'ai vraiment bien la mesure individuelle, en tous les cas, la perception individuelle de ma marque ? Je sais que l'émotionnel est important, mais finalement, j'y accède, j'ai une idée en fait du lien émotionnel, mais comment je mesure en fait la force du lien émotionnel et le fin du fin. J'ai des résultats, j'en ai dans tous les sens, mais finalement, comment je traduis ces résultats en levier opérationnel pour construire ma stratégie de marque. Donc à partir de toutes ces questions, on a réfléchi donc avec ce client et on a effectivement créé Emotional Monitoring que depuis on développe en fait pour beaucoup de clients français à l'international. Donc, tout d'abord, avant de parler un petit peu de la méthode, marque et émotion, quelques constats. Donc déjà, on sait que la perception de la marque, c'est une construction émotionnelle. Effectivement, on va, à partir de la réalité de la marque, son histoire, ses valeurs, sa stratégie, à partir aussi de la réalité en fait, des produits que l'on va vivre, leurs caractéristiques, ça peut être aussi les services pour des marques de services, en fait, va se construire en fait, dans le cerveau une réinterprétation de la réalité. Et également, ce qu'on sait, c'est qu'à chacun son histoire émotionnelle. C'est la Madeleine de Proust. Mon histoire, mes croyances, mes valeurs, ma sensibilité, mes besoins, mes désirs vont forcément en fait, avoir un impact sur la perception qu'on peut avoir de l'extérieur et notamment de la marque et des marques. Alors, comment agissent ces émotions ? On sait aussi que les émotions, elles vont agir à plusieurs niveaux. Elles vont agir sur l'imaginaire. Dans quel univers la marque me transporte, quelles sont les valeurs qu'elle transmet. Elles vont également agir sur la relation, c'est-à-dire finalement quel est mon attachement à la marque, quelle relation s'établit avec la marque, jusqu'où je suis prêt à aller pour cette marque-là. On va également en fait, avoir une action en fait, de l'expérience produit sur la perception de la marque à travers ses émotions. On va avoir aussi un impact en fait, de l'expérience produit sur la perception de la marque. Et enfin, ce qui est également très important, c'est l'identification, tout ce qui renvoie à l'identification. Finalement, quand je suis avec cette marque-là, quand je consomme cette marque-là, quand je suis en contact avec cette marque-là, quelle image de moi me renvoie à cette marque-là ? Donc à partir de là, il était nécessaire de construire un outil d'évaluation de la marque avec un cahier de des charges très précis. Il fallait accéder à l'imaginaire, éviter la rationalisation, accéder à la relation individuelle plutôt qu'au consensus qu'on pouvait trouver dans les groupes. Ce qui était également important, c'était de relier l'imaginaire de la marque et le lien émotionnel, puisqu'on était au cœur du sujet. Les mesurer, les suivre dans le temps et surtout mesurer aussi la force des liens créés avec la marque. Et enfin, apporter des réponses opérationnelles appropriables par tous. Donc à partir de ce cahier des charges, on a construit en fait une méthodologie autour de trois éléments clés. La première chose, c'est qu'on est sur un outil résolument projectif. Donc pour accéder à l'émotionnel, on va poser des questions, mais on va éviter la rationalisation et chacun va s'exprimer avec ses propres mots. Alors je ne vous passerai pas le questionnaire, mais on est vraiment sur des questions très projectives avec des questions qui sont vraiment issues en fait, du savoir-faire qualitatif qu'on utilise pour comprendre finalement qu'est-ce qu'est cette marque-là et qu'est-ce qu'elle fait en fait chez l'individu.
Ensuite, on travaille également, une fois qu'on a recueilli les informations auprès des individus, on va faire vraiment une analyse qualitative de l'histoire racontée par chaque individu. On va essayer vraiment de comprendre finalement chaque individu quelle histoire il me raconte de la marque et c'est cette information-là que je vais analyser. Ce n'est pas un plan de code, ce n'est pas des choses comme ça. On est vraiment, on essaie de comprendre pour chaque individu le lien qu'il a avec la marque analysée. Et ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de mesurer la force du lien. On va également, on travaille sur du grand nombre, donc on est au minimum sur 120 personnes. Et on va essayer, partant du principe en fait que la relation à la marque est individuelle, on va essayer en fait d'identifier en fait pour la marque l'ensemble en fait des visions qui la composent. C'est-à-dire, on ne va pas dire la marque, c'est une vision de la marque, un noyau central et ensuite des valeurs périphériques. On va dire non, il y a des individus, ils ont une perception de la marque, un vécu différent avec la marque, une relation différente, et on va essayer en fait de voir comment cohabitent ces histoires-là, et donc on va donner effectivement un système de vision pour la marque. Donc les apports d'emotional monitoring, donc on est bien sur une connaissance et une compréhension des différentes visions existantes. Donc vous avez ici une marque avec quatre visions. Donc vous avez en fait le poids de chacune des visions puisqu'on est sur un échantillon quantitatif et chaque vision en fait est construite avec des valeurs. Et ce qui veut dire par exemple pour la vision A, on a 55% en fait des personnes interrogées, alors soit des clients, soit des personnes qui connaissent la marque plus que de nom, qui ont la même vision de la marque, en tous les cas une vision assez proche avec des valeurs qui sont associées. Et en fait, pour chaque vision, donc, on va connaître son poids, mais on va également connaître son contenu et les valeurs associées. Pardon. Donc, on va pouvoir les décrire. Donc, ensuite, on a également des indicateurs quantitatifs. Alors, ce sont des questions qui vont être posées là aussi sur le mode projectif. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et qui vont nous permettre finalement de savoir, en fait, à partir des histoires que nous ont racontées, en fait, les individus, est-ce que ces histoires sont positives ou pas pour ces individus? Et est-ce qu'elles créent du lien ou elles ne créent pas du lien? Et on est aussi là dans des pourcentages et on va pouvoir mesurer le lien. Est-ce que finalement, les personnes qui me racontent cette histoire-là, est-ce que 80% d'entre eux me disent « effectivement, ça crée du lien », alors ils ne nous le disent pas comme ça, « ça crée du lien avec moi, donc j'ai un lien à la marque très fort ». Et on va savoir si ce lien aussi, également, est positif ou négatif. Donc ensuite, ici, je vous ai mis simplement un exemple de vision. Donc là, on était vraiment sur une marque à la fois avec une vision qui était le bien faire avec des valeurs. Donc on voit ici des valeurs, une vision le bon vivre avec des valeurs. Donc c'est une analyse qualitative. Bien sûr, ce qu'on donne, c'est toujours un tout petit peu plus étoffé, mais là, c'est pour l'exercice. Et ensuite, donc à partir de ces visions qui sont positionnées en fait sur des axes, issus du qualitatif, on va pouvoir dire, bon ben voilà, on va pouvoir donner des recommandations opérationnelles. L'objectif pour la marque, effectivement, c'est d'être plus proche et pour cela, d'être plus inclusive dans son discours de savoir-faire, puisque là, on était en fait sur une marque qui était à la fois sur le bien-être et sur le bien-vivre, et on voyait bien que pour faire une marque plus complète et plus aspirationnelle, la combinaison des deux permettait cela. Sachant qu'ensuite, on a aussi en fait des indicateurs qui nous permettent de dire finalement, cette vision de la marque qu'on a appelée ici pour l'exercice, le bien faire, elle est construite par quelle expérience de la marque? Donc on peut ensuite effectivement dire aussi comment et qu'est-ce qui dans la marque en fait nourrit en fait cette vision de la marque. Donc c'est un outil qui est modulable en fonction des problématiques. On peut comparer deux marques concurrentes entre elles. Donc je vous citais tout à l'heure Dior Chanel. On peut faire une évaluation auprès des prospects, auprès des clients pour essayer de voir quels sont les ressorts de la fidélisation. On peut aussi traiter en fait avec ce même type d'approche la publicité d'une marque et la marque en elle-même et voir en quoi ça concorde. Est-ce que la publicité traduit bien un message que je voulais faire passer en stratégie de marque? Et on peut faire, effectivement, on peut le faire sur une marque mondiale. On peut travailler en fait sur les différentes visions de la marque au niveau mondial et essayer de trouver en fait les points communs pour bâtir une stratégie mondiale. Voilà nos références. Donc on travaille avec beaucoup
clients, à la fois en fait en grande consommation et en services et industrie. Donc c'est vraiment une méthode qui s'applique à tous les domaines. On a été plusieurs fois récompensés donc par la profession avec un trophée d'argent et un trophée d'or. Ben, trophée d'argent donc pour le Thalys, donc là on est vraiment dans le service. Et Fleury Michon, on est vraiment dans un produit de grande consommation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Madame Leroy de Genève. Bonjour, donc je vais enchaîner maintenant avec l'approche qu'on utilise à TNS. C'est intéressant, on va voir qu'il y a certaines similitudes avec ce qu'a montré Catherine. Bon, je ne me trompe pas dans les flèches. Ah. Il y a quelqu'un qui nous entend à la régie ? Est-ce qu'il était possible de passer à la présentation suivante ? Parce qu'on voulait finir par celle-ci. Ou je fais juste défiler rapidement et on reviendra ? D'accord. C'est pas, je suis désolée. Hein. Alors, je suis à nouveau là. Vous avez le temps de rajouter de la présentation qui était sur la clé USB ? Ah. Je suis désolée, on a remis la présentation sur une clé USB. Printemps des TNS, oui d'accord, je vais ouvrir, c'est bon. Je suis désolée. Alors, on y va. Donc, comment accéder à la valeur émotionnelle des marques ? Vous avez vu dans le titre, j'ai rajouté la notion de levier de croissance, parce qu'effectivement, les émotions, c'est très à la mode, on en parle beaucoup. Mais la finalité, c'est bien au service de la croissance des marques. Les marques fortes sont celles qui créent de la valeur et a priori, elles répondent mieux aux besoins des consommateurs que les autres. On l'a vérifié d'ailleurs, quand on, à travers notre base de données d'études de Needscope, sur l'axe horizontal, vous voyez le degré d'utilisation des marques, sur l'axe vertical, ce qu'on appelle le fit, le brand need fit, donc la capacité des marques à mieux répondre aux besoins, l'adéquation des marques aux besoins, et on voit une évidente corrélation. Ceci dit, on le sait tous ici, je pense dans cette salle, les besoins ne s'appréhendent pas facilement. Au-delà de ce qui est facilement accessible à la surface, il y a cette dimension dont la composante émotionnelle, qui elle, est moins facilement accessible, d'où le recours à des techniques particulières, comme en parlait Catherine. Les marques l'ont bien compris, puisqu'il s'agit de ce levier émotionnel. Bien sûr, elles l'utilisent à travers la symbolique qu'elles utilisent dans leur logo, dans le design, dans l'expérience retail, dans leur communication. Là, bien sûr, c'est bien plus le pouvoir des mots. Il y a toute la symbolique qui est utilisée. Donc, je passe assez vite pour arriver à la technique du comment on accède à cette valeur émotionnelle, puisque je pense qu'on est d'accord sur ces éléments de contexte. Donc sans émotion, il n'y a pas de marque. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion sans marque, Dieu merci, mais en tout cas, la proposition de marque semble assez incomplète si elle n'a pas cette composante émotionnelle. Comment on fait avec l'outil Needscope qu'on utilise chez TNS pour révéler justement cette composante émotionnelle ? On s'appuie sur trois piliers. Le premier, c'est un modèle qui identifie l'émotionnel dans la relation marque-consommateur. Donc là, on voit déjà le parallèle avec ce que tu disais, Catherine. Le deuxième pilier, c'est un cadre d'analyse, vous allez le voir, universel pour comprendre les besoins et les marques, parce que c'est bien un outil où on cherche à comprendre les besoins, donc ça passe par une phase d'idéalisation. Et aussi, le même outil positionne la perception des marques, ce qui permet la comparaison. Le fameux brand need fit, perception de la marque par rapport aux besoins. D'accord ? Et comment, avec des techniques projectives, je vais y venir pour précisément vous les décrire. Donc, le premier pilier, l'émotionnel est au cœur de la relation consommateur-marque. D'accord ? Ceci dit,
Ce sur quoi on insiste et ce qui est frappant dans les différentes études qu'on peut faire, c'est de voir que les marques fortes sont celles qui arrivent à imbriquer de façon forte et unique et différenciante le rationnel et l'émotionnel. C'est pas juste l'émotionnel. Et du coup, notre modèle arrive et cherche, il est très structuré, hein. Il identifie la partie besoin émotionnel qui est au cœur, mais d'abord il commence par la partie fonctionnelle, donc ce qui correspond à toutes les caractéristiques produits. D'accord ? Il y a une couche de besoins qui s'appelle les besoins identitaires, et là la marque active des valeurs sociales, telles que familiales, pour les jeunes. On voit ces choix de valeurs sociales dans le type de personnes qu'elle utilise dans ses communications, le type de réseau qu'elle utilise dans sa distribution, son positionnement prix, etc. Et puis au cœur, il y a les fameux besoins émotionnels qui correspondent à la personnalité de la marque. On distingue deux types de besoins émotionnels, ceux expression de soi, on le voit ici sur la gauche, c'est publicité pour les parfums, vous voyez bien que projette une personnalité, Juicy Couture projette une personnalité bien différente de celui en dessous qui s'appelle Pretty. Donc ça c'est par rapport à la personnalité que je projette, d'où la notion de besoin expressif. Par rapport à des besoins dans le ressenti, gratification needs, qui sont plus sur comment je me sens quand j'utilise la marque. Là ce sont des communications de produits de nettoyage ménager par exemple. On voit bien que les émotions, les leviers émotionnels activés en haut et en bas sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'était le modèle de relation marque-consommateur avec effectivement l'émotionnel au cœur, mais l'imbrication, encore une fois, c'est un tout. Et s'il y a dissonance entre l'émotionnel, le social et le fonctionnel, ça ne fonctionne pas, même si le levier émotionnel pouvait être une superbe idée. Donc c'est bien, la magie, elle sera bien dans la capacité de la marque à utiliser des ressorts qui puissent capitaliser l'un sur l'autre. On potentialise le tout en étant grâce à la cohérence interne. Le deuxième pilier, c'est le cadre d'analyse universel qu'on utilise. Donc, encore une fois, on utilise le même pour comprendre les besoins et les marques. C'est un cadre de référence classique de psychologie classique que vous connaissez, je suis sûre, avec les deux grands axes. Un axe horizontal, dit social, réceptivité, affiliation, appartenance au groupe par rapport à expression, affirmation de mon individualité. Et puis un axe plutôt d'énergie, plus tourné vers l'extraversion en haut et l'introversion en bas. D'accord ? Donc ça, c'est le cadre de référence. Au-delà de ça, on arrive typiquement à 6 need states. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours 6 need states, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Mais de façon typique, il y a 6 need states qui correspondent à 6 grands archétypes. D'accord ? Donc, on voit les need states carefree, dynamic, qui sont plus dans l'extraversion, par rapport aux need states en bas, caring, competence, qui sont plus dans le contrôle, la réassurance. Et puis, sur l'axe social, assertive, qui comme son nom l'indique, est plus, encore une fois, dans l'affirmation de ma différence, de mon individualité, par rapport à des notions qui sont plus dans la proximité, à gauche. On l'avait dit, dans le niveau des besoins émotionnels, on distingue bien l'expression de soi et le ressenti. Donc chacun de ces archétypes, est ensuite décrit par des mots particuliers et validé en quanti, et dans différents pays, j'y reviendrai par rapport aux techniques projectives aussi, parce que c'est important aussi pour mettre des mots derrière les émotions. Une fois qu'on dit, bon, ben, je suis plutôt sur le need state, discernment, competence, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai besoin ensuite de construire ma plateforme de marque, mes briefs avec les agences, etc. Il faut aussi parvenir à mettre des mots derrière les émotions. Donc on utilise, tout est validé, et on utilise certains attributs sur tout ce qui est sensation, feeling, et tout ce qui est aussi personnalité pour ce qui est des expressive needs. Et donc, on peut effectivement voir, décoder les logos. C'est un système, c'est le même qui s'applique pour révéler les besoins, j'y reviendrai juste un petit peu après, mais aussi pour décoder des publicités, des logos. On le voit bien, par exemple, dans cet exemple, entre American Express, avec toute sa symbolique qui connote des choses, des leviers émotionnels très différents de Mastercard. Ou les publicités qu'on a vues avec l'archétype du rebelle pour Juicy Couture qu'on a vu juste un petit peu avant.
C'est un système qui segmente des besoins et non pas des personnes. On part du principe, ça dépend des marchés, mais il y a des principes qu'on appelle multimodaux, où un même individu peut avoir plusieurs besoins différents. D'accord ? C'est ce qu'on appelle notamment multimodaux quand c'est basé sur des occasions. Typiquement, l'alcool, je pensais à par exemple Moët & Cie, et marche sur ce système multimodal. Comme je vous le disais, on a signé state de façon, ça arrive souvent, mais le signé state c'est un continuum, c'est pas une fin en soi, d'accord. Donc on peut, si besoin, rentrer dans plus de granularité et arriver à avoir des composantes plus fines. Tout comme sur certains marchés, on peut n'avoir que, j'en ai vu dans certains marchés en Asie, que 4 need states. C'est pas juste plaqué en disant il m'en faut 6 et on voit comment ça passe. Le troisième pilier se réfère aux techniques, les techniques qu'on utilise. Donc on est d'accord, tu l'as déjà dit Catherine, les réponses rationnelles ne suffisent pas, il faut aller au-delà. Ceci dit, tout n'est pas verbalisable, c'est pas facile de poser directement les questions. Dans un cas de R&D, on avait vu quand on comparait des items, par exemple là c'était sur un cas de jus d'orange, vous voyez les fameux snake charts qui sont en haut, que ce soit des snake charts ou spider charts, je ne sais quoi, on a tous fait l'expérience d'items, d'images, qui nous font croire qu'il n'y a pas de différenciation entre les marques. Il y a d'une part les mots utilisés, les items qu'on utilise, mais il y a aussi la façon d'accéder à cette information. Je l'ai vu dans des trackings, pour le même mot de personnalité par exemple, posé en question d'association ou posé avec des techniques projectives que je vais vous montrer, ne donne pas les mêmes résultats. D'accord ? Donc ce n'est pas qu'une question aussi de formulation de l'attribut. Donc on utilise des techniques projectives qui permettent en fait à nos répondants de ne pas parler en leur nom. Donc nous on passe par des collages, par des collages, le même principe Niscope s'applique en qualitatif et en quantitatif, là je vous montre la partie quantitative. Ces collages sont validés dans chacun des pays où ils sont utilisés pour bien représenter les archétypes, parce qu'il faut quand même que tous ces visuels sans mots correspondent bien aux archétypes, sinon ce serait les mauvais stimulus, bien sûr. Donc, bien sûr, on les ajuste aux différentes cultures, aux différentes nationalités et races. Ensuite, le mode de questionnement, on fait associer, c'est assez simple, on fait associer les marques avec les collages, quelles sont parmi ces différentes femmes, celles qui préfèrent conduire une voiture Volkswagen par exemple. Une fois, donc je ne parle pas en mon nom, après je sais si je conduis ou pas une Volkswagen, mais là je vous ai bien compris, c'est la technique du triangle. Donc ensuite je fais décrire, et quelles caractéristiques, je repasse par les besoins fonctionnels, sociaux et puis émotionnels pour faire décrire les différentes caractéristiques du besoin. Le besoin, enfin de la perception de la marque, puisque là on faisait parler de Volkswagen. Après une phase d'idéalisation, donc ces femmes-là, quelle est leur voiture idéale? Et donc je reprends à travers les mêmes stimuli d'attributs, comme ça je pourrais comparer, comme je vous le disais au début, le besoin à travers l'idéalisation par rapport à la perception des marques en présence. Donc on a bien 3 outils. D'accord? J'accélère parce que le monsieur me fait 5 minutes. C'est une technique qu'on utilise à différents stades. Souvent, on peut croire que le Niscope, c'est la grosse étude de segmentation, 500, 1000 inter, les besoins, etc. Il y a plus ou moins, le scope est plus ou moins important en fonction. On peut aussi l'utiliser pour de la perception, ce qu'on appelle du Niscope Positioner, sans aller jusqu'à la segmentation des besoins. D'accord ? Et vous l'avez vu, on peut l'utiliser aussi pour décoder des publicités, des logos, etc. Donc il y a différentes applications, y compris dans des trackings, comme je vous le disais, où on en fait l'expérience en ce moment, parce qu'on voit bien qu'on arrive à révéler des dimensions, encore une fois, qu'on n'arrive pas à capter avec les méthodes traditionnelles. Donc juste avec 5-6 minutes de questionnaire en plus, avec ces quelques techniques projectives, ces collages, on arrive à accéder à cette partie d'information qui sinon nous manque. Les outputs,
Voilà, vous ne voyez pas, grand-chose. Globalement, on reprend la map des needs. Vous allez avoir les positionnements des marques. Révéler ce qu'on appelle les white space. Peut-être y a-t-il des besoins, des segments de besoins où il n'y a personne. Est-ce que ma marque, par rapport à là où elle est positionnée, est-ce que c'est légitime pour moi d'y aller ou est-ce que c'est un overstretch? Je calcule ma corrélation. Donc, ce n'est pas... c'est quelque chose de mesuré. Je calcule la corrélation avec chacun des besoins et ça me donne un right to compete sur chacun des need states en fonction de ma légitimité. Il faut qu'à minima, je sois corrélé déjà avec ce besoin, sinon ce serait peut-être le job d'une autre marque dans mon portefeuille, par exemple. D'accord ? Et puis, par rapport à ce que disait Catherine, une marque positionnée, disons, au milieu, est-ce qu'elle est positionnée au milieu ? Parce qu'elle est générique et finalement la perception est très molle, il n'y a rien qui ressort, ou au contraire, c'est peut-être deux visions qui sont séparées, elle atterrit au milieu, juste parce qu'elle est stretchée par deux opposés. Donc la position en soi ne suffit pas. Il faut bien sûr voir les valeurs qui définissent tous les attributs qui décrivent cette position. Ensuite, puisqu'on a ce qui décrit le besoin par rapport à l'utilisation, je sais ce que ma marque délivre aujourd'hui et je connais les besoins. Donc, je peux révéler ce que je dois développer, renforcer parce que c'est déjà vrai, ou développer, ajouter à mes caractéristiques ou la façon dont je communique et les leviers émotionnels. Et puis, en revanche, ce que je dois minorer. D'accord ? C'est un type d'étude qui passe par de l'accompagnement. Ce ne sont pas des études qui se lisent juste un rapport. Il y a toute une phase d'appropriation des need states. Et une fois que c'est fait, on parle à peu près le même langage. Et là, on se réunit et puis on fait des réunions par marque, typiquement. D'accord ? Parce que, encore une fois, in fine, le but est de sortir avec des recommandations opérationnelles sur comment faire pour que ma marque réponde mieux aux besoins qu'elle ne le fait aujourd'hui et de façon plus différenciée par rapport aux concurrents. On va jusqu'à quantifier les need states, puisque c'est une méthode quanti, donc on connaît la taille des need states, on quantifie les opportunités en fonction de la taille du need state, si c'est un need state très, très occupé, si le marché le délivre, il répond déjà de façon forte ou pas, parce que l'opportunité est d'autant plus grande, bien sûr, que le marché n'y répond pas aujourd'hui, à supposer que j'ai le fameux right to compete dont je parlais, que je sois quand même à minima légitime dessus. D'accord ? Donc il y a tout un aspect, un travail de positionnement des marques aussi. Et puis c'est l'occasion aussi de tester des innovations, que ce soit des concepts, des communications, tout autre élément du mix de la marque. Là je passe vite, c'était pour vous dire qu'on pouvait... c'est l'aspect quantification... et priorisation des opportunités, d'accord ? On s'exprime en millions, on connaît la valeur des marchés, on connaît la valeur des segments. Donc, encore une fois, pour faire un lien avec l'aspect croissance dont je parlais au départ, croissance des marques. C'est quelque chose qui s'applique à des marques, à des besoins, mais aussi pour dimensionnaliser des notions. Je l'ai fait sur la douceur, sur la naturalité, sur la fraîcheur, sur la féminité. C'est aussi quelque chose qui se prête à mieux comprendre et à essayer de qualifier de façon différente, quelque chose qui, sinon, n'est pas facilement appréhendable dans sa globalité, dans toute sa finesse. C'est aussi l'occasion, parfois, de questionner des catégories. Quelquefois, on n'est pas très sûr du contexte dans lequel on opère, et peut-être qu'on est un petit peu trop rétréci, en raisonnant vraiment sur la nature de son produit, alors que les substituts, on le sait, consommateurs sont nombreux et donc c'est l'occasion aussi, c'est un outil qui aide à redéfinir les catégories. Voilà, donc c'était vous dire qu'effectivement c'est un outil qui fonctionne bien parce qu'il mesure en même temps et c'est de la même façon et les besoins et les marques et d'où son côté très opérationnel de nous aider à recommander les actions à entreprendre pour que la marque réponde mieux aux besoins. C'est une approche qui permet une grosse granularité. Ces techniques permettent d'ajouter beaucoup d'attributs, beaucoup de dimensions et de rentrer dans des degrés de finesse très importants. Et même si on attache de l'importance à l'émotionnel, on y attache encore une fois beaucoup aussi au fonctionnel, notamment la sensorialité. Je voulais en parler dans un autre slide. On a vu dans de nombreuses études en hygiène beauté, en alimentaire, que le sensoriel se connecte très bien avec les émotions.
Quand on dit sensoriel, c'est tout un champ à investiguer, les couleurs, les textures, les parfums, etc. Donc il faut, on arrive à qualifier chacun des nids de tête sur toutes ces dimensions. Et ça donne vraiment des plateformes opérationnelles pour les marques de développement, pour les laboratoires, pour les parfumeurs, etc. Très précises et très intéressantes. Mais encore une fois, ce qui va toucher le consommateur, c'est la proposition de marque qui est bien imbriquée, où la réponse à ses besoins se fait avec une forte cohérence. Voilà, je crois que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Je m'en excuse. Alors, je vais essayer de... je pense que si je ferme... Là. Voilà. Ouais. Super. Merci beaucoup. C'est ici pour faire des fils. C'est là. Ça me ouais. Merci d'être là. Comment ? Ah oui, on m'a dit. Merci d'être là avec nous. Moi, je vais vous parler de l'hypnose, dans le but, effectivement, d'accéder à la valeur émotionnelle de la marque. En 15 minutes, je vais tenter de vous répondre à trois questions clés, qui sont: d'où vient l'hypnose, à quoi sert l'hypnose et comment ça marche. D'où vient l'hypnose ? En ce qui me concerne, moi, je suis formée à la programmation neuro-linguistique. Et donc, je suis maître praticien et coach en PNL. Donc, je fais de l'hypnose ericksonienne. C'est quoi l'hypnose ericksonienne ? L'hypnose ericksonienne vient de Milton Erickson, qui est un type assez fantastique, qui est décédé en 1980 et qui a commencé sa vie en étant un enfant atteint de la polio et bloqué dans une chaise roulante au fin fond des États-Unis. Et c'est devenu l'un des plus grands thérapeutes du XXe siècle. Il a pu aider plein de gens dans plein de situations grâce à ses théories comportementales. À quoi ça sert l'hypnose ? Ça sert à faire tomber le masque. C'est ce que je dis à mes patients, en fait. Dans la vie, quand vous cassez un coude ou un genou, peu importe, rarement vous cognez de plein gré sur tous les murs pour vous faire encore plus mal. Ce qui se passe au niveau émotionnel, si vous avez vécu quelque chose petit, par exemple, je ne sais pas, un père autoritaire ou peu importe, un traumatisme X ou Y, vous allez avoir bien, bien tendance à, dès que vous tombez sur quelqu'un d'autoritaire, à aller vers lui. Donc, ça va se répertorier dans vos amours, dans votre vie, dans votre travail, etc. Donc, en fait, de cette douleur originelle qu'on a, on met bien des surcouches. Et ça devient comme des boules, en fait, très dures à l'intérieur de nous, qui peuvent développer des traumatismes, des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des angoisses, etc. Donc le but, mon but quand je traite des sujets pour éviter la souffrance, c'est de percer cette couche qui s'est faite avec les années pour atteindre le cœur émotionnel de la douleur et en fait traiter l'origine pour faire disparaître la douleur. Alors vous allez me dire à quoi ça sert en marketing ? En marketing, c'est la même chose. Quand on anime des groupes, on poursuit des entretiens, les gens dans la salle arrivent avec plein, comme s'ils avaient plein de petites boules à l'intérieur d'eux. Et donc, quand nous, en plus, on les accueille dans une salle bien luxueuse, avec quelqu'un qui est bien aligné, qui paraît très rationnel, du coup, on les panique et on se dit, mais bien sûr, ils vont nous délivrer l'émotion tout de suite. Et ce n'est pas possible parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont tous ces petites boules coincées à l'intérieur d'eux et donc, ils ne peuvent pas délivrer leur message. Il y a quelqu'un qui, là je vous ai fait mon discours à moi, il y a quelqu'un qui en parle de manière plus académique, c'est M. Carlo Moiso qui parle des 4 I, la manière dont on se fait un masque de vie. Et c'est hyper intéressant parce qu'il dit qu'il y a 4 grands moments dans la vie. Il y a un premier niveau qui est l'inadéquation. Quand on est bébé, on veut son biberon, la maman tarde un peu, ça s'appelle l'inadéquation. Deuxième niveau, c'est l'injustice. On est dans la cour d'école, on est très sage, le petit ami fait une bêtise, la maîtresse arrive, nous gronde nous. Donc, on découvre l'injustice. Troisième niveau, qui construit bien notre masque, qu'on va ressortir à la moindre blessure, c'est l'imprévisibilité. On sort tout content un jour de printemps, on glisse sur une plaque d'égout, on est immobilisé 4 mois, on perd son boulot, enfin, bon, c'est pas des choses. Et le quatrième niveau, c'est l'inéluctable, c'est-à-dire que là, c'est la mort en général, hein, la mort d'un proche. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces 4 niveaux ? Ça verrouille encore bien l'individu. Et nous, notre boulot en marketing derrière, c'est de récupérer l'émotion. Donc, vous voyez qu'on part de loin.
comment ça marche? Bah, écoutez, je vais vous proposer qu'on joue ensemble. En fait, le vrai nom de l'hypnose, c'est l'état de conscience modifié. Donc, aidez-moi. Je le fais très couramment sur 1, 2, 3 ou 10 personnes, mais rarement sur autant de personnes. Donc, je vais vous demander d'avoir un bon esprit, de bien participer, de bien vous plier aux consignes qui sont très douces, vous allez voir. Et j'espère que vous allez effectuer un bon voyage. Donc d'abord, on va, parce qu'on est dans un contexte professionnel, on va faire une petite technique qui s'appelle l'œuf et qui a pour but de se purifier et d'enlever un peu tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc moi, je vais fermer les yeux aussi pour me synchroniser avec vous. Enfin, je vais les réouvrir de temps en temps quand même. Je vais vous demander de mettre vos deux pieds par terre, déjà, si vous avez les jambes croisées, de vous débarrasser de tout ce qui peut être un poids, les carnets, les stylos, les téléphones portables, etc. Et de fermer les yeux. Et là, je vais vous demander de vous imaginer dans un œuf. Mais cet œuf a une petite particularité, car c'est un œuf magique, qui a une petite porte en haut et une petite porte en bas. Vous êtes complètement libre d'actionner la porte du haut et la porte du bas comme vous le souhaitez. C'est très important. Cet œuf vous protège, et là, pour votre bien. Je vais vous demander maintenant d'activer la petite porte du haut, de l'ouvrir, et de laisser rentrer dans votre œuf toute la lumière la plus pure du monde, de l'univers, de la galaxie. Cette lumière vous transperce le corps et vous purifie. Vous pouvez rejeter les impuretés dans l'œuf qui vous protège. Je vous laisse vous laisser vous pénétrer de cette lumière. Les impuretés peuvent monter très vite. En général, ça ressemble un peu à une masse noirâtre, plus ou moins épaisse, plus ou moins rapide. Si les impuretés montent très vite et que ça atteint le niveau de vos yeux, que votre bouche et votre nez est couverte, ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas que vous allez à la petite porte du bas qui va vous permettre d'évacuer tout ça très vite. Quand le niveau atteint son taux optimal, je vous invite à refermer la petite porte du haut et à ouvrir la petite porte du bas et à nettoyer toutes les impuretés que vous avez pu accumuler dans votre œuf. Il ne doit plus rien rester, aucune trace. Quand ce nettoyage est terminé, je vais vous inviter à refermer la petite porte du bas et à réouvrir la petite porte du haut. Et encore une fois, vous laissez pénétrer par toute la lumière la plus pure du monde, de l'univers, de la galaxie. Et laissez cette lumière vous purifier. Même chose, le niveau va monter, mais peut-être un peu moins haut, un peu moins foncé. Laissez les choses se faire naturellement. Et quand le liquide a atteint le niveau optimal, je vous invite à refermer la petite porte du haut et à réouvrir la petite porte du bas pour nettoyer toutes ces impuretés. Il ne doit plus rien rester. Quand ce nettoyage est terminé, je vous invite, cette fois-ci je vous laisserai seule, à fermer la petite porte du bas et à réouvrir la petite porte du haut. Je vous laisse faire pour le reste. Je vous laisse effectuer ce mouvement autant de fois que vous le souhaitez. Le but est que vous soyez complètement purifié. Et quand vous aurez terminé, je vous invite à revenir vers moi, au rythme où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez.
Je vous remercie. Je suis désolée, comme j'ai des contraintes de timing, je suis obligée de... Vous pourrez le refaire seul, c'est un truc super utile quand on a passé une journée stressante. Maintenant, je vais vous proposer... Enfin, alors vous allez me dire en marketing à quoi ça sert. Deux petites expériences très récentes que j'ai effectuées. J'ai travaillé sur les matériaux dans l'automobile qui devaient être en pleine adéquation en fait, avec l'environnement. Donc ce sont deux dimensions diamétralement opposées, l'automobile et l'environnement. Donc j'ai commencé la séance qui était avec des personnes lambda hein, qui venaient de la rue. Donc à leur dire, vous allez imaginer le véhicule qui est le plus en adéquation avec l'environnement. Enfin, c'était tout doux, hein, je ne l'ai pas dit de manière aussi abrupte. Donc il en est sorti des choses absolument extraordinaires parce qu'on était dans toute l'émotionnalité des possibles et on a pu vraiment travailler sur des choses très intéressantes. Un autre exemple marketing, il n'y a pas longtemps j'ai travaillé pour le jeu et le jeu c'est très excitant, grand plaisir mais aussi bourré de freins, de frustration, de mal-être. Donc d'emblée, et là aussi c'était des individus lambda, je les ai invités à s'imaginer en tant que gagnants. Ils jouaient et ils étaient gagnants. Donc immédiatement ils explosaient de joie dans leur corps et on a commencé la séance donc après les groupes tout à fait normaux par un gros potentiel aussi de libération des individus. Comme on n'a pas de sujet en commun, je vais vous inviter à faire un voyage au cœur de votre propre émotion. Donc maintenant vous connaissez le système, je vais vous inviter donc à garder les deux pieds par terre, à refermer les yeux, à bien vous détendre et à suivre ma voix. Je vais vous demander de vous mettre en connexion avec votre corps, vos pieds qui touchent le sol, vos jambes, votre buste qui est peut-être en contact avec le siège, vos mains, vos bras, l'extrémité de vos doigts, la nuque, la tête, peut-être le poids de la tête sur la nuque et le poids de la nuque sur les épaules. Maintenant, je vais vous inviter à prendre conscience du sang qui circule dans votre corps, tout le potentiel de vie qu'il représente, son mouvement qui circule dans tout le corps. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre en contact avec le cœur, à l'entendre, à le voir, à le sentir, à le ressentir. Aussi, je vais vous demander de prendre conscience de votre respiration, la manière dont, en liaison avec le sang et avec le cœur, elle nettoie le corps, le fait vivre à chaque seconde. Je vous invite à profiter de cette prise de conscience et à vous imaginer aller dans l'endroit où vous souhaiteriez le plus être au monde, l'endroit de vos rêves. Vous vous trouvez dans votre endroit, et là je vous invite à voir tout ce qu'il y a à voir, à entendre tout ce qu'il y a à entendre, à sentir tout ce qu'il y a à sentir, à ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, et à profiter de cet instant. Comme si vous pouviez régler l'intensité des émotions, je vous invite à tourner les boutons, d'augmenter les couleurs, les nuances, les contrastes, au niveau qui vous agrée. Même chose pour le son, je vais vous demander d'augmenter à un niveau optimal le son, les nuances, les aigus, les graves. Même chose pour les odeurs. Je vais vous inviter à régler le niveau des odeurs et toutes ces nuances les plus subtiles pour que vous atteigniez le plaisir maximum. Même chose pour vos sensations intérieures. Je vais vous demander de les régler à leur niveau optimal. Je vais vous inviter à vous déplacer dans ce paysage et à prendre trois grandes inspirations.
et à revenir vers moi quand vous le souhaitez, au rythme où vous le souhaitez. C'est bon ? Merci beaucoup. À votre écoute. C'est la séance des questions, c'est ça ? Sauf si vous êtes tous encore sous hypnose. Oui, ça fonctionne. Oui, François Biven, Repère. Comment réagissent tes clients, Isabelle, à cette technique ? Les clients ? Ils sont, d'abord, c'est un petit critère différenciant qui est hyper vendeur. Parce qu'il est clair que c'est assez, à la fois assez opportun et à la fois assez original. Donc les clients réagissent très bien. Ils sont assez curieux. Et puis quand ils viennent suivre les groupes ou les interviews, ça crée d'emblée un tel contact avec la dimension émotionnelle des individus que ça devient une évidence en fait. Donc ils sont très satisfaits. Mais le but derrière, c'est de travailler. C'est pas... C'est-à-dire que moi, après, en focus group, on travaille. Donc, finalement, c'est vite oublié, quand même. Aussi, sur cette technique de l'hypnose, est-ce que ça s'est approprié pour tout type de cible ? Est-ce que toutes les cibles se prêtent facilement au jeu, en groupe, comme ça, de se laisser aller à cet exercice ? Toujours. Enfin, dans mon expérience, peut-être qu'un jour je vais tomber sur quelqu'un qui sera réfractaire, mais toujours. Parce que, enfin, vous l'avez expérimenté là maintenant, c'est hyper agréable. C'est une expérience qui est hyper agréable, qui est rare, puisqu'en fait on est rarement en contact avec notre corps et on a beaucoup de besoins en fait. Donc là, je mets juste une éponge sèche sur une flaque d'eau, quoi. Ça marche tout de suite. Et tout niveau social, ça fonctionne très très bien. Oui, moi j'ai une question un peu pour les trois, parce que je travaille dans le domaine d'assurance qui n'est pas du tout sexy. Donc à quel moment, enfin, en termes d'émotion en tout cas, quelles seraient vos préconisations ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut sortir quelque chose ? Oui, enfin je commence ou... Oui, enfin, je pense qu'on va dire la même chose. On travaille également dans l'industrie, donc notamment on travaille pour un client Schneider Electric auprès de tableautiers. Donc c'est pas forcément très sexy non plus, mais dès lors qu'on évalue une marque, en fait la marque crée un lien et crée une émotion, donc on peut travailler dans tous les domaines à partir du moment où il y a une marque et un lien donc qui se crée. Absolument, j'ai fait aussi l'expérience dans le domaine des services bancaires pour des mêmes taux d'emprunt, des mêmes services, je dirais. Les banques arrivent à tout à fait à se différencier dans la relation. La façon dont elles construisent leur marque et leur proposition pour se connecter aux consommateurs. Donc je pense oui que ça s'y prête. Bonjour, je suis Margrethe Ziegler, directrice des études chez Lactalis. J'ai deux questions. Une à Isabelle Fabry. Oui. Juste, est-ce que dans votre technique, s'il n'y a pas aussi un risque un peu d'ordre, je dirais, éthique ? Enfin, on peut imaginer que ça fasse remonter des angoisses ou des bouts d'histoire personnelle, enfin, qui amènent des individus vers quelque chose, enfin, où on serait dans la thérapie, pas dans le marketing. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? C'est contextualisé. Là, je vous ai fait effectivement dans le domaine de votre voyage intérieur, mais on était dans un paysage qui est votre paysage idéal. Donc, en fait, le domaine du jeu est limité et contextualisé, surtout en marketing, c'est-à-dire qu'on on touche pas à des choses, j'active aucune corde sensible. On pourrait très facilement, j'ai déjà répondu tout à l'heure à cette question, enfin en extérieur, si on n'a pas d'éthique, il ne faut pas le faire, parce que ça peut être très dangereux, effectivement, sur des esprits faibles. Et
Donc, il faut faire très attention, oui. Mais bon, moi, je fais très attention, donc voilà. Alors, si je peux poser ma deuxième question, qui est à toutes les trois, en fait. Je trouve très intéressant ce lien que vous avez indiqué entre émotion et sensoriel. Bon, je travaille dans l'alimentaire, alors sensoriel est forcément extrêmement important. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce lien? De l'expérience que j'en ai fait, c'était une façon... le client l'a très bien reçu, de reconnecter justement l'émotionnel et le tangible. On est bien dans l'expérience produit. Et les conclusions auxquelles on est arrivé dans nos recommandations pour la marque, on avait toute une plateforme sensorielle jusqu'à une... de plus en plus de nos clients aussi résonnent en termes de signature sensorielle. Ça fait partie de leur levier de différenciation de leur marque au sein d'un portefeuille. Ça passe par dans les outils. Quand je vous disais, on fait l'étude au niveau quantitatif, mais en préalable, ça passe par les entretiens en profondeur en quali. On a des boîtes à textures, des boîtes à couleurs, des boîtes à toucher. Ça passe par. Il faut éliciter toutes ces dimensions. Mais je suis persuadée qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un des domaines où le lien tangible. Expérience produit, expérience de marque avec l'émotion est le plus fort. Mais quand vous dites plus précis, j'ai du mal à... ça répond à votre question ou je ne suis pas très, très précise, mais... Moi, je ferais juste le lien à la Madeleine de Proust parce qu'on est exactement dans le sujet. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans l'expérience sensorielle du produit qui va... provoquer des odeurs, des associations, des évocations émotionnelles et un lien à la marque. Et on est exactement dans ce registre-là, d'effectivement le souvenir. Et tout d'un coup, il y a une odeur qui arrive, il y a un goût qui arrive dans la bouche et c'est associé à une marque. C'est le président de mon enfance et tout d'un coup, ça vient. Oui, moi, je peux faire écho à ce que tu dis. Dans le sens où, en fait, vous avez remarqué quand j'ai... Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je balayais à chaque fois toutes les dimensions sensorielles hein, quand je vous parlais. Pourquoi on a chacun des niveaux de développement sensoriel différents. On est plus visuel, plus auditif, etc. Ça c'est une évidence. Donc, et alors, c'est, effectivement, dans le cerveau, ça s'appelle des ancrages. C'est le principe, par exemple, de la musique que vous entendez, vous imaginez dans les bras de votre premier amoureux. Donc, c'est... Le lien entre sensorialité et émotion se fait par là, c'est-à-dire on est comme des ordinateurs avec des boutons. Quand on presse sur certains boutons, ça nous crée certains boutons sensoriels, ça nous crée des émotions. Et ça, c'est intéressant. J'ai une question pour Isabelle Fabry. Je travaille dans une marque média en fait pour les enfants. Je vois pas. Ah pardon, excusez-moi. En fait, chez Walt Disney. Donc c'est pas du tout lié au parc. Je m'occupe surtout de l'image de la marque. Et je me demandais justement, est-ce que vous avez éprouvé votre technique d'hypnose sur des enfants et quelle a été, si jamais vous l'avez déjà fait, la vraie valeur ajoutée par rapport à une technique classique de groupe Kali? Alors les enfants, déjà les premiers enfants touchés sont les miens tout le temps. J'ai chassé de nombreuses nuits de nombreux fantômes des chambres et ça marche vraiment bien. C'est un public idéal pour ça. Parce qu'on fonce tout de suite dans l'imaginaire. Donc en deux secondes, ils comprennent complètement l'intérêt. Les enfants, plaisir et imaginaire, c'est bon. C'est-à-dire que c'est très facile. Oui, c'est une cible très facile. Et là, ce que je n'ai pas pu faire en plus, et bon, ceci dit, je ne me permettrai pas si ce n'était pas les miens, mais normalement, il y a des ancrages aussi. On peut poser les mains pour ancrer les sensations encore plus fortement. Mais dans le cadre marketing, ce n'est pas approprié. Pas d'autres questions? Ben, nous vous souhaitons toutes les trois un très agréable long week-end. Merci de votre attention.